Seigneur notre Dieu. Oh, Nkolo Nzambe na biso. Toi le Tout-Puissant. Yo, oyo zali na nguya nyonso. Toi le Créateur de la Genèse. Yo, mojalisi na ebandeli. Toi le Maître du ciel et de la terre. Yo, Nkolo na lola pe na mokili. Toi le Tout-Puissant. Yo, oyo nguya nyonso. Toi qui as l'épée à double tranchant dans tes mains. Yo, yo zali na mopanga, ezali kokata ngambo mibale na maboko na yo. Toi qui tenais les sept étoiles dans ta main droite. Yo zali kosimba mioto sambo na maboko na mobali. Toi le fidèle. Yo, oyo ya sembo. Toi le commencement de la création de Dieu. Yo ebandeli ya kujalisa na Nzambe. Toi l'amen et le témoin véritable. Yo, amen. Pe motato li ya solo pe na sembo. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Ombona yo ezali kolo Yesu Kristo. Oh Seigneur Dieu. Oh kolo Nzambe. Nous sommes venus pour t'adorer. Toyei pona kogumba mela yo. Nous sommes venus pour te louer. Toyei pona kosanzola yo. Nous sommes venus pour te rendre un culte. Toyei pona kosambela yo. Toi le Dieu adorable. Yo Nzambe oyo ebongi na losambo nyonso. Que ton nom soit béni. Ombona yo e pambolama. Comme tu as rendu ces cultes possibles. Lokola yo okokisi ete toka kosangana na pokwa lelo. Comme tu as rendu que nous puissions nous rencontrer ce soir. Lokola yo obongisi ete tokutana na pokwa lelo. Pour glorifier ton saint nom. Oete tokumisa kombono na bule. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Otondi yo pona bomo oyo pesi biso. Merci pour les privilèges que tu nous as faits. Matondi pona litomba oyo pesi biso. De connaître Jésus-Christ. Ya koyeba Yesu Kristo. Afin que nous puissions l'adorer comme il le faut. Oete toka kosambela ye na motindo mobongi. Parce que ton prophète dit. Oete mosakoli na yo alobi. L'adoration dépend de l'enseignement que le peuple reçoit. Losambo ezali kotalela malakisi oyo bato bazali kozwa. Oh Seigneur Dieu. Oh kolo Nzambe. Si la femme syrophénicienne était venue. Soki mwa soyo mukana na yaki. Elle t'a appelé fils de David. Abianga kio mwana Dawidi. Parce qu'elle n'était pas bien enseignée. Wete ala kisama ki malamu te. Et tu n'as même pas regardé. Eyo otala ki ata yete. Mais quand elle a reçu la révélation. Ate tango yazwa ki moniseli. Que tu étais le Seigneur et Dieu. Ete otala ki nkolo Nzambe. Alors tu as exaucé sa prière. Atango wana yo pesa ki yana libonde li. Nous voulons que tu exauces notre prière. Olingete yo pesa. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à nous approcher de toi. Conformément à la révélation. Accorde le Seigneur. Et je crois, Père, que toi tu as entendu notre prière. Nous sommes venus avec des soucis. Nous sommes venus avec des problèmes. Espérant et croyant que nous sommes venus rencontrer un Dieu vivant qui nous appelle et qui veut que nous puissions lui apporter tous nos problèmes. Nous croyons, Seigneur Dieu, que nous sortirons d'ici nos cœurs allégés parce que tu as pris le poids de notre cœur. Nos cœurs allégés parce que toi tu as pardonné nos péchés, parce que toi tu nous as accordé le Saint-Esprit, parce que tu as accordé à chacun de nous l'adoption. Merci notre Père. Entends la prière de chacun de nous comme tu descendais dans les jardins
de l'Éden. Pour communier avec Adam et Ève. On a consolana Adam et Ewa. Aujourd'hui, Lelo. Au travers du sacrifice de l'agneau parfait. Le Seigneur Jésus-Christ. Olo Jésus-Christ. La communion a été rétablie. Boyokani L'Éden a été restauré. C'est pourquoi nous croyons, Seigneur, que tu descendras ce soir, qui sera au rendez-vous avec nous, qui sera au milieu de nous, Seigneur, et tu accepteras notre adoration. Merci, notre Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Enlève les poids dans les cœurs. Sauf ceux qui sont perdus. Console ceux qui sont affligés. Relève ceux qui sont en train de tomber. Donne la force à ceux qui rétrogradent. Qu'il soit ramené à la parole de Dieu. Donne-nous la véritable connaissance de la parole. Donne-nous la véritable révélation du Seigneur Jésus-Christ. Merci, notre Père. Nous voulons être une véritable église bâtie sur la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous ne manquerons jamais de te le dire. Que nous t'aimons, Seigneur. Malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, ne regarde pas cela. Regarde dans nos cœurs. Nous t'aimons. Et nous apprécions tout ce que tu fais pour nous. Merci, notre Dieu. Sois avec nous du début à la fin. Nous voulons sentir ta présence. Que nous sortons changés, transformés. Merci, Seigneur. Je crois que tu as entendu nos prières. Notre sœur Lusamba, notre frère Paul, notre frère Nathanaël, notre sœur Wivine, nous les remettons tous entre tes mains. Exauce leur prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi demandé, Seigneur. Croyant de tout notre cœur. Que toi, tu nous as donné ce que nous t'avons demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Attendez. Chapitre 1, verset 24. Bakolose mokapu ya liboso nzela ya tukumi bale na mine. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça sa yipi nazali ko sepela pona boloji bozwingai natila na bino nazali kotondisa bijongeli na mpasi pe na Kristo kati na mosuni na ngai pona nzoto na ye yango lingomba nazali ko koma mosali na lingomba Nzambe apesi ngai lotomo na koyebisa bino polele liloba na Nzambe. Liloba yango ezali likambo libomba maki kalakala na miso na mabota nyonso nde sasa ipi limonisami epai na babula mina ye. Nzambe alingaki koyebisa bango motindo na misolo na nkembo pe na libomba mi oyo kati na bapagano. Libomba mi yango ezali boye
Kristo kati na bino elikia na nkembo. Biso tokosa kola kaye. Koke bisaka bato nyoso mpona kola kisabato. Bato nyoso na mayele nyoso. Na tina ete, wewe bisaka bato nyoso liboso na ye. Lokola mikolo penza kati na Kristo. Pona boye na, na kosala ka mosala. Na kobunda na, ka, na makasi mpe oyo ekosala ka kati na ngai. Apocalypse 21. Moni Seli, tukumi banana moko. Oui, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Et la ainsi, Branham n'a rien à voir du tout avec le trône de David. Bongo Branham côté na David. Parce qu'il n'est pas dans la lignée de David. Et frère Branham dit que dans les milléniums, le trône de David. Ce sera le règne de Jésus-Christ sur la terre. Quand il va régner sur la terre, sur les 144 000. Mais comme il est déjà marié avec l'Église, quand il sera là dans les milléniums, son épouse aussi sera avec lui. Amen. Amen. Son épouse sera aussi avec lui. Mais c'est en rapport avec les Juifs. Et Branham n'a rien à voir là-dedans. Branham n'est pas dans la lignée de David. Branham a azalite na kati na libota na David. Il disait plutôt azalaki koloba que selon ma généalogie ete na kolanda molongo na ngai ya kobotama, je suis un Irlandais. Ngai nazali moto na Irlande. Il a le sang irlandais. Azali na makila na bato ya Irlande. Parce que c'est là où tire sa généalogie. Poete kuna nde bankoko na ye bautaki. Il est né au Kentucky. Abotami na Kentucky. Et il a grandi. Pe akolaki. Il n'a rien à voir du tout avec le trône de David. Azali na mosala na kosala te na kiti na bokonzi na David. N'allez pas le mettre là-bas. Okende kovandisa ye na kiti wana te. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à faire là-dedans. Ainsi, nous avons vu ce point de oindre le sang des saints. Frère Branham qui dit dans ses messages au paragraphe 117 que oindre le sang des saints, il dit que c'est l'onction non pas d'un homme. Jésus est déjà oint. Le livre des Actes dit que Dieu oignit Jésus du Saint-Esprit. Jésus est déjà il est le Messie. Messie signifie loin. Est-ce vrai? Yasolo. Mais ici au temps de la fin, suka, il doit oindre le saint des saints. Oindre le saint des saints. Jésus est déjà oint. Yesu asili kopakolama. Il était oint du Saint-Esprit. Apakolama kina molimo mosanto. Parce que nous avons vu que dans le millénium, Jésus lui-même sera là. Yesu yemoko akozala wana. Et nous avons vu beaucoup de citations et totanga kimakomi mingi où les prophètes nous montrent que
Jésus lui-même sera là dans son propre corps. Qu'on verra le même corps qui a été crucifié. Ce sera ce corps-là qui sera là. Et en rapport avec la promesse donnée à David, le trône de David sera occupé par le Seigneur Jésus lui-même. Dans le millénium, il y aura Christ et son épouse. Et ici, les prophètes montrent que Jésus est déjà oint. L'époux est déjà oint. Mais au temps de la fin, il doit oindre le Saint des Saints. Qu'est-ce que le Saint des Saints? Selon ma façon de comprendre, laquelle je peux prouver par l'Écriture, c'est pour oindre le Saint des Saints, qui est le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Écoutez maintenant et voyez pourquoi je pense là. Je vais dire Ézéchiel chapitre 43, 1 à 6. Enalingi koloba Ézéchiel mokapoya tukumine na misato eteni ya liboso kino ya motoba. Oindre le Saint de Saint. Opakola esika oye le kibule. Pour les règnes millénaires. Pona bokonzi yambula nkoto mobimba. Qu'est-ce que le Saint de Saint? Esika oye le kibule ezalinini. Frère Branham dit dans les 70 semaines de Daniel. Mosakola lobi kati na toko na il dit au paragraphe 48. Maintenant, nous découvrons ce sixième but. Oindre le Saint de Saints. Nous découvrons que le Saint de Saints représente toujours l'Église, le tabernacle. Mongombo. Et la toute dernière chose à faire était de oindre le Saint des Saints. C'est le tabernacle du millénium qui vivra durant le millénium. Dans lequel nous vivrons. Le Saint des Saints représente l'Église. Ezali kotali sa ecclesia. C'est le tabernacle. Yangonde mongombo. C'est quel tabernacle? Ezali mongombo nini? Ce tabernacle là, c'est l'Église. Et mongombo yango ezali ecclesia. Ça, c'est ce que le prophète est en train de dire là. Oyonde mosabula ezali koloba na esika oyo. Il dit encore. Alobili susu. Pour nous expliquer ce que c'est que le sang des saints. Ona kopesa biso ndimbola na esika oyo lekibule. C'est le tabernacle. Ezali mongombo. C'est l'Église. Ezali ecclesia. Dans paragraphe 125. Na etenia kamatu mbena mitano. Dieu entra dans le sanctuaire qui devait être oint. Pour expliquer ce tabernacle, quel est ce tabernacle là? Mongombo yango ezali nini? Frère Branham va dans Lévitique au chapitre 25. Oindre ce temple-là pour les règnes millénaires. Maintenant dans Lévitique. Ça, c'est dans Lévitique. Au Lévitique. Dans Lévitique. Nous allons découvrir lorsque Moïse oignit le temple. Quand Moïse a oint le temple. Ou quand le temple a reçu l'onction. Le temple. Tempelo. Le Saint des Saints, c'est l'Église. Et si quoi le kibule, ezali ecclesia. C'est le tabernacle. Ezali mongombo. Mais Madame me montre comment ce temple-là va être oint. Ce tabernacle-là était constitué de trois parties.
Tempelo yango esalamaki na biteni misato. Il y avait le parvis extérieur. Ezalaki na lopango na libanda. Il y avait le lieu saint. Ezalaki na esika na boule. Il y avait le lieu très saint. Mpe ezalaki esika oyo eleki boule. Remarquez très bien cela, ce que le prophète dit là. Botala malamu likambo emoso bazali koloba awa. Et maintenant, pe sikoyo, le prophète, quand Moïse a terminé ses tabernacles, esilisaki Mose kotonga tempelo yango. Quand il a terminé ses temples là, tango ya sisaki kotonga tempelo yango, la colonne de feu est venu pour oindre le tabernacle, parce que c'était conforme à la parole de Moïse. Quand aussi Salomon a construit le temple, quand le temple était terminé, la colonne de feu est venue encore pour oindre le temple. Maintenant regardez, ça c'est Bibotala. Dans le millénium, kati na bokonzi na mbula nkoto moko, il y aura Jésus lui-même qui sera là. Yesu Kristo ye moko akozala wana. Il y aura aussi l'épouse. Mwasi na libala pe akozala. Ça c'est ce qui se fera dans le millénium. Oyonde oye kosalema na kati na millénium. Il y aura aussi les 144 000 qui seront là. Ba 144 000 pe bakozala wana. L'époux, mobali na libala. L'épouse, mwasi na libala. Les 144 000 seront là dans le millénium. Maintenant, sikoyo, dans le millénium, kati na millénium, l'époux est là, c'est le Seigneur Jésus. Mubana libala zali wana, yenkolo Yesu Christo. On nous dit ici, ce sera le Saint des Saints qui sera loin. Balobi na biso wete, esike le kibule ndeko pakolama. Dans le millénium, Jésus lui-même sera là. Kati na millénium, Yesu yemoko akozala wana. L'homme là qui a été loin. Motowana oya seri ko pakolama. Quand il a été baptisé, natango ya baptisamaki, l'onction suprême est descendue sur lui. Ko pakolama monene ekitaki likolo na ye. Il a été oint. Ye apakolamaki. Il a lu Esaïe. Ye atangaki Isaïe. Qui disait que je suis oint du Saint-Esprit. Oya elobiete na pakolami na Molimo Mosantu. Pour proclamer la parole. Poete na sakola liloba. Lui Jésus a déjà été oint. Ye Yesu asilaki na ye ko pakolama. Lui Jésus qui sera là dans le millénium assis sur le de David. Yesu akozala wana afangi na kitabu cha Dawidi. Il est déjà oint. Asili na ye ko pakolama. Maintenant celui qui doit être oint, sikoyo oyo asengeli pe ko pakolama, c'est l'épouse. Azali mwasi na libala, doit recevoir aussi l'onction. Asengeli pe ko zwa ko pakolama. Et quand est-ce que l'onction vient? Branham nous amène au tabernacle de Moïse. Branham a mis na mongombo na Mose. Parce que vous devez vous rappeler aussi. Pwete bosengeli pe kokanisa. Que nous, en tant que croyants, ete biso lokola bandimi, en tant que individu, lokola bandimi moko na moko, chacun de nous, moko na moko na biso, est un tabernacle de Dieu. Azali efandelo na Nzambe. Chacun de nous, moko na moko na biso, est un temple du Saint-Esprit. Azali tempelo na Molimo Mosantu. Amen. Amen. L'épouse, mwasi na libala, c'est aussi le temple de Dieu. Azali pe tempelo na Nzambe. Est-ce que vous me suivez bien? Ozali kolanda malamu. Le croyant, c'est un tabernacle. Mondimi azali mongombo. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Yangonde tokomona sasa epi. Jésus, le mari, l'époux, il a été oint. Yesu, yemobai na libala asai ko pakolama. Mais Branham a dit aussi, l'épouse doit être oint. Branham a lobiete, mwasi na libala pe asengeli ko pakolama. Ce sera le tabernacle dans le millénium. E kozala mongombo kati na millénium. Elle doit être oint. Esengeli ko pakolama. Il nous amène chez Moïse. Amemi biso epai na Mose. Où quand le tabernacle était construit, epai wapi tango tempele tongamaki, l'onction ne venait pas au commencement du temple. L'onction ne venait pas au commencement de la construction. L'onction du tabernacle venait à la fin du travail. Amen. C'est pourquoi l'église, Tina yango ecclesia, la suprême onction, kopakolama oyo eleki monene, qui doit oindre l'église, oye sengeli kopakola ecclesia, n'est pas venu à la Pentecôte, eyaki na Pentecôte te, mais cette onction doit venir ici à la fin des temps. Amen. Kati kopakolama yango esengeli eya awa na suka na tango, parce que c'est ici à la fin, pwete ezali awa na suka, que l'église que Jésus-Christ a bâti,
Il a commencé les jours de la Pentecôte. C'est ici à la fin des temps et cette église doit être terminée. Et le dernier messager qui apportera la dernière pierre pour achever le tabernacle, c'est William Branham. Yeah, William Branham. Mais l'onction doit venir. Quelle est cette onction-là? C'est la pierre des fêtes. Yango libanga na moto. Amen. Amen. La pierre des fêtes. Libanga na moto. La maison a été bâtie. Ndako esili kotongama. Le tabernacle. Mongombo. A été construit au travers des âges. Et tongami na kati kati na bileko. Paul, Irénée, Colomban, Martin, Luther, Wesley, Branham. Paul, Irénée, Colomban, Martin, Luther, Wesley, Branham. Ils ont travaillé. Bango, basali mosala. Si vous lisez la dédicace. Soki botangi la dédicace. Frère Branham dit. De vraiment basali koloba. Toutes ces pierres ont été ajoutées au travers des âges. Mabanga nyoso oyo matiamaki mabakisamaki liko kati kati na bileko. Branham dit jusqu'à la fin de Laodicée. Branham alobi kino nasuka na Laodikia. Mais kasi il dit que toutes ces pierres alobi ete mabanga manso oyo n'ont pas la vie et sali na bomoite jusqu'à ce que vienne la pierre principale. Kino ete libanga monene yasuka eya. Et la pierre principale, pe libanga monene, c'est la pierre des fêtes. Yango libanga nasuka. Quand elle vient, natango yango eye, elle se pose sur les croyants de Laodicée. Ezali komitia likona bandimi ya Laodikia. Mais la vie kasi bomoi va se transmettre yango ekokita jusqu'à Paul. Kino na Paulo. C'est pourquoi Branham me dit, quand le Seigneur vient d'Apocalypse 10, quand il part, et qu'il n'était pas parfait, il devient parfait. Amen. 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 Dès que Jésus part, tous, toute l'église, Ecclesia Bobimba, à partir de Paul, Longuan Apollo, toutes les vierges, Basse Gagnoso, elle se réveille. Basali Kolamuka. Comme il n'était pas venu devenir parfait. Lokola Bango, Bakobaki na Kobongate. Mais maintenant, Kasi Sikoyo, Jésus lui-même, Yesu Yemoko, il parle. Azali Koloba. Mais pour parler, il doit prendre le corps d'un homme. Parce qu'il ne pouvait pas parler lui-même dans son propre corps. Il devait descendre dans un homme. Il a parlé dans William Branham. Mais ce n'était pas William Branham. C'était le Seigneur Jésus-Christ. En parlant. En parlant aujourd'hui. Quand la pierre des fêtes est descendue, la vie, bomoi, l'onction, kopakolama, descend sur toute l'église. Amen. Amen. Parce que c'est cette église, qui sera là dans le millénium. La ville qui va descendre dans le millénium, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Afin qu'elle ne descende là-bas, elle doit recevoir l'onction aujourd'hui. Amen. 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 Aujourd'hui. Les loyaux. Lisons encore. Autant les sous. Frère Branham dit, paragraphe 125. Dieu entra dans les sanctuaires qui devaient être loin. Nzambe a kota ikati na mongombo. Oye sengelaki kopakolama. Et lui être dédié pour que le peuple y entra afin d'adorer. Mpe oye sengeli ko pesa me pa na yempo te batoba kota mpe basambe na ye. Ainsi pour oindre non pas ton lieu saint.
Mais pour oindre le lieu très saint. Et nous remarquons que la nouvelle Jérusalem est le lieu très saint. Et que l'onction sera sur la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. D'auprès de Dieu. Préparé comme une épouse. Préparé pour son mari. L'onction sera sur eux. L'onction du Saint des Saints sera la toute dernière chose à avoir lieu. Dans l'âge de Philadelphie. La nouvelle Jérusalem. Jérusalem Yassika. Ce temple, ce tabernacle là. Mongombowana. C'est la nouvelle Jérusalem. Ezali Jérusalem Yassika. C'est l'église. Ezali Ecclesia. C'est l'épouse. Ezali Mwasi na Libala. Dans l'âge de Philadelphie. Katina Elekona Philadelphie. Frère Banam Di. De Kobana Mazari Kolobaboye. Il dit. Paragraphe 275. Voilà l'époux et voilà l'épouse. Tala mobana libala, tala pe mwasi na libala. Que c'est beau. Et toko. Voyons ce qu'il dit maintenant au chapitre 3, verset 12. Tala, toda sigo yo ezali kolobana mokabra misatu, eteni azom na mibale. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Oya kolonga na kojelisa ye likonzi kati na temple na nzambe na ngai. Et il ne sortira plus jamais dehors. Celui qui vaincra. Oya kolonga. Dans l'aile de Philadelphie. Katina eleko na Philadelphie. Je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Na kokomiseye likonzi katina tempelo na nzambe na ngai. Ça c'est Jésus qui parle. Oyo Yesu nde azali koloba. L'épouse se tient là. Avec l'époux. Moi, c'est dans l'ibala. Yewana telemi wana elongo na mobana l'ibala. Oh, si nous avions le temps d'étudier cela. Oh, sosa na tamu ya koyekola yango. Je le ferai pour les livres qui paraîtra. Na kosala yango pona mokanda oye kumasima. Puis plus loin l'Apocalypse il est dit. Pena mwa mosika na imoni selelo mboye. Les rois de la terre lui apporteront leur gloire. Ba konzi na mokili ba komemela yenkembo na bango. C'est donné en type avec la tribu de Lévi. E pesa mina lilingi na libota na Lewi. Toutes les autres lui apportent la dîme. Chaque nouvelle lune, chaque sabbat, il montait pour adorer. Quel jour glorieux ce sera. Je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Les noms de la cité de mon Dieu. Les noms de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Kombo na Jérusalem yasika oyo ezali kokita longo na lola pene na nzambe na ngai. Et mon nom nouveau. Mpe kombo na ngai yasika. Ce vainqueur là, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Molongi wana ngai na kokomisa ye likonzi kati na tempelo na nzambe na ngai. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Nde na komi likolo na ye kombo na nzambe na ngai. De la cité de mon Dieu. Kombo na engumba na nzambe na ngai. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Ya Jérusalem na sika oyo ezali kokita longo na likolo. Quel est le nom de Dieu? Kombo na nzambe ezali nini? Jésus. Yesu. Est-ce que vous le croyez? Ondimi yango. Si vous voulez l'écrire. Soki olingo koma yango. Jésus. Yesu.
Ephésiens 3, 14. Bah, Ephésiens 3, 14. Et verset 15. J'ai fléchi les genoux devant le Père. Nazali ko kitsema bolongo liboso na tata. Duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. Longo na ye libota nyonso na mokili mpe na likolo ezali kozwa nkombo na yango. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Na kokoma likolo na ye nkombo na nzambe na ngai. Le nom de la cité de mon Dieu. Nkombo na mboka na nzambe na ngai. Et la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de auprès de mon Dieu. Ya Jérusalem na sika ezali kokita longo na lola pembeni na nzambe na ngai. Et mon nom nouveau. Mpe nkombo na ngai ya sika. Vous voyez? Bomoni. C'est un seul et même. Non. Ezali bobele nkombo moko. Le nom nouveau, kombo la sika. Le nom de mon Dieu, kombo na nzambe na ngai. C'est un même nom. Ezali bobele nkombo moko. C'est le Seigneur Jésus. Ezali kolo Yesu. Amen. Amen. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Na kokoma likolo na ye nkombo na nzambe na ngai. Le nom de la cité de mon Dieu, kombo na mboka na nzambe na ngai. La cité Mboka. Il continue en disant de la nouvelle Jérusalem. Ya Jérusalem yasika. L'épouse mwasi na libala ou l'église to ecclesia et la nouvelle Jérusalem. Yende Jérusalem yasika. Combien savent cela? Boni bayebi likambo yango. L'église elle-même ecclesia yango moko et la nouvelle Jérusalem. Yangonde Jérusalem yasika. Croyez-vous cela? Bondimi yango. Prouvons-le. Totalisa yango. Apocalypse 21. Emoniseli tukubi bale na moko. Si vous voulez savoir ce que sa ville nouvelle. Soki olingi koyeba soki mboka na yasika ezali nini. Qui porte le nom de Dieu? Oyo ememi nkombo na nzambe. La ville Engumba. Qui porte le nom de Dieu? Oye, zali na nkombo na nzambe. Le nom de Dieu c'est qui? Nkombo na nzambe zali nani? C'est le Seigneur Jésus. Ezali nkolo Yesu. Cette épouse là, mwasa libana yango, qui est la ville, la nouvelle Jérusalem. Oyo azali engumba, Jérusalem nasika. Qui est la cité de mon Dieu? Oye, zali engumba na nzambe na ngai. Cette cité engumba yango, cette nouvelle Jérusalem, Jérusalem onasika, porte le nom de Dieu. Ezali na nkombo na nzambe. Et le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Pe nkombo na nzambe ezali nkolo Yesu. Amen. Pourquoi? Bona nini? Parce qu'une épouse peut-être mwasi na libala porte toujours azala katango nyonso le nom de son mari. Na kombo ya mobali na ye. Nous sommes Madame Jésus-Christ. Tozali mwasi na libala na Yesu. Amen. Amen. Nous sommes Madame Jésus-Christ. Tozali mwasi na libala na Yesu. Et la Bible dit, pe Biblia elobi, Dieu s'est choisi un peuple. Nzambe ami poneli libota. Un peuple qui porte son nom. Libota oyo e komema nkombo na ye. Quel est le nom de Dieu? Nkombo na nzambe yango nini? C'est le Seigneur Jésus. Yango Yesu Kristo. Notre nom. Nkombo na biso. C'est Jésus. Ezali Yesu. Mais kasi, je ne suis pas Jésus. Nazali Yesu te. Mais je porte le nom de mon mari. Kasi nazali ko nazali ko makombo ya mobali na ngai. La femme n'est pas l'époux. Mwasi azali mobali te. Mais l'épouse porte le nom de son mari. Kasi mwasi azali ko makombo ya mobali na ye. Amen. Amen. Quand elle porte le nom de son mari, tango ya azali na kombo ya mobali na ye. Le mari n'est pas dissous. Mobali azali koli mwate. Le mari est toujours là. Mobali azali bobele wana. Et quand ils iront à la fête, et kokende bango na fête, Monsieur Jésus, mobali Yesu, et l'épouse Jésus Christ. Mwasi na libala na Yesu Kristo. Ils iront ensemble. Bako kende longo. A la fête. Kuna na elambo. Amen. Amen. Le mari Jésus. Mobali Yesu. Avec Madame Jésus. Mwasi na ye.
Yesu ensemble Elongo ils descendront Bakokita dans le millénium. Kati na millénium. Amen. Amen. La ville porte le nom de Dieu. Engumba ezali na nkombo na Nzambe. Et cette ville pe engumba yango. La nouvelle Jérusalem. Jérusalem ya sika. La nouvelle église. Église ya sika. Et l'église des nations. Ezali ecclesia ya bato na mabota. La nouvelle Jérusalem. Jérusalem ya sika. C'est l'église des nations. Ezali ecclesia ya bato na mabota. L'épouse vient des nations. Moisi na libala akouta na mabota. Et elle porte son nom. Mpe akomema nkombo na ye. Il a pris un peuple parmi les nations pour la gloire de son nom. Akamati libota kata mabota mususu mpona nkembo na nkombo na ye. Croyez-vous cela? Bondimi yango. Si vous ne le croyez pas. Soki bondimi yango te. Lisez acte 15, 13 à 14. Botanga misana bantoma somi na mitano. Lorsque l'usure cessait de parler. Jacques a pris la parole et dit. Yakobo akamata ilo bepe alobi boye. Frère, écoutez-moi. Bandeko boyo kangai. Simon racontait comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Simon alobaki na lenge kani nzambe abwakaki miso liboso epai na mabota. Pour choisir du milieu d'elle. Pwete apona longo na bango. Un peuple qui porta son nom. Libota oye komema nkombo na ye. Branham ajoute c'est Jésus. Branham alobiete ezali Yesu. Il y a dans ces bâtiments kati na esika wana ndako oyo quelques femmes de qualité. Basi mususu ya malamu bazali. De belles femmes. Basi kitoko. Mais parmi elles kasi kati na bango il y en a une qui est la mienne. Moko azali oyo azali mwasi na ngai. Et qui a reçu mon nom. Pe oyo azui kombo na ngai. J'espère que vous saisissez cela. Na azali kolike ete bozali kosimba likambo yango. Elle porte mon nom. Ye azali na nkombo na ngai. Et c'est ainsi qu'il en est de son épouse. Ezali pe bongo na mwasi na libala. Amen. Amen. J'écrirai sur lui mon nom nouveau. Nakokoma likolo na ye nkombo na ngai ya sika. Elle porte le nom Jésus. Azali na nkombo ya Yesu. Et cette épouse doit être ouinte ici à la fin de. Pe mwasi na libala oyo asengeli kopakolama awa na suka na tango. Et Branham dit que l'épouse est un bouquet de fleurs. Pe Branham alobi ete mwasi na libala azali lokola liboke na fololo. Kozala kati na mwasi na libala. Amen. Amen. Yeah. Pételo. Paul. Paulo. Jacques. Jacobo. Ils font partie de l'époux. Bazali kati na mwasi na libala. Amen. Amen. Aujourd'hui. Lelo. L'onction. Kopa kolama. La pierre fêtier. Libanga na moto. La pierre de Daniel. Libanga na Daniele. Quand elle descend aujourd'hui. Tatango ezali kokita lelo. Elle descend sur la nouvelle Jérusalem. Ezali kokita likolo Jérusalem ya sika. Amen. Amen. L'épouse. Mwasi na libala. Le tabernacle de Dieu. Mongombo na nzambe. Amen. Amen. Nous sommes chacun le tabernacle de la portion de Dieu. Tozali moko na moko mongombo na ndambo na nzambe. Branham aussi. Branham pe. Il a une portion de Dieu. Azali na eteni na nzambe. Amen. Amen. Branham, Branham, il n'est pas la plénitude de Dieu. Azali litondi na bonzambete. Il n'y a qu'une personne. Bobele motomoko. Qui est la plénitude de Dieu? Oh, azali litondi na bonzambé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Yekolo Yesu Kristo. Tous les autres hommes. Bato mususu bato. À partir d'Adam. Outa na Adama. Jusqu'à Branham. Kino na Branham. Tous. Bango baso. Ils sont une partie de Dieu. Bazali na etene na nzambe. Mais, kasi, comme Luc 17:30, l'encore Luc a été mis en sabbat, tout comme ça, devait s'accomplir. Et c'est que la qui conquista ma. Amen. Amen. Luc
vécu de cet étrange. Lucas a mis ensemble tout comme il n'est pas une portion. Et Elie est imité. Vécu de cet étrange. Lucas a mis ensemble tout comme il s'est. C'est la plénitude de Dieu. Et Elie est donné ensemble. Amen. Amen. La plénitude. L'idonde venant dans un homme. Koyaka na moto. Non pas pour faire de cet homme. Jésus-Christ, Jésus-Christ, non, t'es pour accomplir le signe du Messie. Et le mot d'Amasia. Amen. Amen. Dieu a utilisé un homme. Zambe a sera qui moto moko. Qui avait été justifié. Oyo a sera qui consemble. Sanctifié. Kobuli sama. Baptisé du Saint-Esprit. Kobati sama pena moli mo santo. Amen. Amen. Une portion de Dieu. Eteni nantambe. C'est lui-même qui le dit. Yemoko nde azali ko bayango. J'ai une portion de Dieu comme vous tous. Nazali na eteni nantambe le ko labino banso. Sauf que kasi mobelete. Chacun a sa mesure. Moko na moko azali na epimelo na ye. Sa mesure était un peu plus grande. Epimelo na ye eleka ki monene. Amen. Amen. Une plus grande. Et peut-être vous en avez aussi plus grande que moi. Dans mais une portion. Kasi eteni. Amen. Mais la plénitude. Kasi litondi. C'est seulement Jésus lui-même qui est là. Ezali bobele Yesu ye moko. Je viens du Père. Na uti na tata. Je retourne au Père. Nazongi na tata. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre bien ces choses. Et sengeli toso sa malam makamboyo. Quand Branham, Luc 17:30 devait s'accomplir. Na tango de Branham, Luc 17:30 sengeli te kokisama. C'est une grâce étonnante. Ezali ngolo ya kokamwa. Que Dieu puisse prendre un corps de chair. Et entambe akamata nzoto na mosuni. Pour accomplir simplement sa parole. Pwete akokisa loba na ye. Parce qu'aujourd'hui, pwete lelo. Comme au temps de Sodome. Le corps attend na Sodome. Il avait besoin d'un corps. Azaki na mposa na nzoto. Un corps tiré de la terre. Nzoto yeswami longola mabele. Dans lequel il devait marcher. Kati na yango asengela ki kotambola. Dans lequel il devait habiter. Kati na yango asengela ki kovanda. Pour se révéler à l'humanité. Pwete amimoni se pai na mokili. Mais il dit. Kasi alobi. Vous devez arriver à distinguer les deux choses. Bosengeli kokoma na kokabola biloko emibale. Moi, je ne suis pas lui. Ngai nazali yete. Amen. Mais je suis simplement la poussière de la terre. Ah, c'est Nazali Bobele pour Toulou Namabele. Qu'il est venu pour utiliser. Oyoye, Asepeli Kosalela. Jésus est différent. Yesu Azali Nalolenge Naye. Amen. Amen. Jésus. Yesu. Vrai Branham dit. Et comment Alobi? Dans le deux pains qui étaient. Dans les morceaux, les trois pains qui étaient donnés aux Juifs. Kati Nabiteli Namapamisatu. Oye, Pesemaki Nabayuda. Il dit. Alobi. Les Juifs mangeaient trois pains. Bayuda, bazalaki kolia mapa misato. Il mangeait trois pains. Bazalaki kolia mapa misato. Et dans ces trois pains. Kati na mapa yango misato. Regardez bien ce qu'il dit. Kota la malamo ya zeli kolo. Trois morceaux de pain. Biteni ya mapa ezalaki misato. À la Pâque. Na elekeli. 1 2 3. Moko mibale misato. Il dit que cela symbolise Père, Fils et Saint-Esprit. Alobiete yango etali si tata mwana pe molimo mosanto. Il mangeait le premier pain, le deuxième pain. Bazalaki kolia lipa ya liboso pe lipa ya misato. Branham dit que le pain du milieu. Branham alobiete lipa ya mibale oya katikati. Était divisé en deux. Bazalaki kokabola yango na biteni mibale. En deux. Biteni mibale. Il mangeait une partie. Et l'autre partie, on allait mettre là sous la natte, la nappe. La table. Il mange ça, il mange ça, il mange ça. Il mange ça. Balei ya liboso mobimba, ya misatu mobimba, ya mibale balei ndambo. À la fin du repas, nasuka na kolia. Ils allaient maintenant prendre l'autre partie qui était restée. Bazali ko kende sikoyo kozwa oyo etikelaki na se na elamba ya mesa. Et il mangeait. Pe bazalaki kolia yango. Branham dit. Branham alobi,
Jésus-Christ a fait le repas de la même manière. Jésus-Christ a sali elambo na motindo moko. Maintenant, ces morceaux de pain qui étaient mis sous la nappe. Ça ça y était na lipo ezali ko tia manase na elamba na mesa. Quand ils ont terminé à manger tout, et s'il sait qui bango ko lia nyonso, Jésus a pris maintenant ces morceaux de pain. Jésus a kamata ki sikoyo eteni oyo na ya lipa. Il a présenté ça aux apôtres. Il a dit que ceci est mon corps. Branham a dit, Branham a lobi, premier et troisième, ils ont tout mangé. Mais la deuxième partie s'est divisée en deux. Branham dit que c'est pourquoi, pour notre rédemption, Dieu s'est divisé en deux. Zambe ami kaboli na biteni mibale. La partie spirituelle eteni na molimo et la partie humaine. Pe eteni na bomoto. Dieu Zambe est resté une partie en esprit. Atikali eteni moko na molimo. Une partie faite chez. Eteni mosusu esu esalami nzoto. Pour notre rédemption. Bon alici qu'on a vu ça. Amen. Amen. Dieu était d'abord un. Zambe liboso azala kimoko. Pour notre rédemption. Bon alici qu'on a vu ça. Il se divise en deux. Ami kaboli nabiteli mibale. Ça c'est le père. Oyo ezali tata. Ça c'est le fils. Oyo ezali mwana. Ça c'est l'esprit. Oyo ezali molimo. Ça c'est le corps. Oyo ndenzoto. Mais tous. Kasi nyonso. Et le corps. Nanzoto. Et l'esprit. Namolimo. Tous les deux viennent là-bas. Bango nyonso mibale bauti kuna. Le corps c'est Dieu. Nzoto ezali nzambe. L'esprit c'est Dieu. Molimo pe ezali nzambe. Mais pour la rédemption. Kasi pona lisiko. Pour le rachat. Pona lisiko. Une partie de Dieu. Et devenu un homme. Et comment qui moto? Est devenu la chair. Et comment qui nzoto? Parce qu'il devait prendre votre place. Oete asengela ki kozwa esika na yo. Parce qu'il devait être vous. Oete asengela ki kozala yo. Il est devenu une partie. A comment qui eteni? Après avoir accompli la rédemption. Simanaye ko kisalisiko. Après avoir payé le prix. Simanaye ko futa ntalo. Le père et le fils. Tata na mwana. Sont redevenus un. Bazongi ni susu moko. Comme il était au commencement. Ndenge bazalaki na ebande. Au commencement ils étaient un. Na ebande bazalaki moko. Après ils étaient un. Pena sima bakomaki moko. Mais dans un espace de temps. Kasi na mwa tango moko. Ici sur la terre. Awa na mokili. Pour le rachat de l'humanité. Pona kosiko la mokili. Parce qu'il fallait qu'un sang. Pwete sanga ki ate makila moko. Un sang innocent. Makila oye zanga ki mate. Le sang de l'agneau parfait. Makila na mwana mpate oye bongi be. Il s'est versé pour votre rachat. Eso pama pona lisiku na bisi. Il a regardé que les anges ne pouvaient pas le faire. Yanzamba atala mwana te banje bokai kosala yango te. Il a regardé que les sacrifices des animaux ne pouvaient pas le faire. Atali amoni ate musoko kosala yango te. Dieu a dit. Nzambe alobi. J'avais dit au commencement. Na lobaki na ibande. Faisons l'homme à notre image. Toje lisa moto na elingi na biso. Je dois maintenant avoir l'image de l'homme. Esenge lisa sa une partie de moi a formé un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Et le Père est venu habiter en lui. Comment comprendre cela? On ne peut pas comprendre. C'est Dieu qui le fait. Une partie de Dieu est devenue un homme. Une partie de Dieu restait esprit. La plénitude restait esprit. Parce que même si vous enlevez de Dieu une partie, il reste toujours Dieu. Une partie de Dieu a formé de l'humanité. Une partie qui pouvait souffrir. Une partie qui pouvait tomber malade. Une partie qui pouvait avoir faim. Cette partie a marché sur la terre. Et le Père est venu habiter dans le Fils. Mais quand le travail est terminé, le Fils dit, Père, attends. Je dois retourner à la gloire que j'avais avant. Je suis venu ici pour peu de temps seulement. C'est pourquoi cette terre
Tina yango nzoto oyo mabele oyo. Quand il est rentré dans la terre. Tango yango ekende kati na mabele mususu. L'autre terre ne pouvait pas la recevoir. Mabele oyo ekai ko yamba yete. Amen. Parce que l'autre terre. C'est la terre du péché. Cette terre ne pouvait pas rester dans la terre. Mais elle devait rentrer là où elle venait. Elle est rentrée dans la divinité. Paul rencontre. Paul Akutani. Il demande, mais qui es-tu toi la colonne de feu? Atuni yonani yo likuzi na moto. Toi le père. Yo tata. Toi Elohim. Yo Elohim. Toi qui as marché avec Israël. Yo yo tambulaki na Israël. Toi qui étais appelé le père. Yo yo sai kobianga matata. Qui es-tu? Yo nani. La colonne de feu a dit. Likuzi na moto Elohim. Moi que vous regardez. Nga yo yo sai kotala. Moi que vous voyez. Nga yo sai komona. Je suis Jésus. Nazali Yesu. L'homme là qui a marché sous la terre. Moto yo tambulaki na mokili. Je suis rentré na zongi lisusu là où j'étais au commencement et pas na zaki na ebandeli. Mais le corps de Branham, kasi nzoto na Branham, c'est un corps tiré du péché. Ezali nzoto elongo ezomi na masumu. Amen. Amen. Un corps tiré du péché. Nzoto ezomi na masumu. Après 3 jours sima na mikolo misato, ou avant 3 jours toli bosala na mikolo misato, ce corps ici nzoto oyo ne pouvait pas toucher la corruption et kokaki kopolate. La corruption ne pouvait pas toucher ce corps. Kopola, egai ko simba nzoto wana te. La corruption atteint l'homme dans 72 heures. Kopola eye la kamoto sima na mikolo misato. Si le corps reste mort pendant 3 jours, soko nzoto oya mowei etikali boye mikolo misato. La corruption entre. Et si li kopola ekoti nango. Même si on met les médicaments, même si on met, qu'est-ce qu'on met? Le formol, tout un tas de trucs, la corruption est déjà là. Ata batie baki so ba munga batie akapwete nzoto be bate. Ata bongo nzoto wana kopolo ezali na kati na yango. Après 3 jours. Simana mikolo misato. Il n'y a qu'un seul corps. Bobele nzoto moko. Qui ne pouvait pas rester mort. Oye kokaki kotika na ya kokufa te. C'est le corps du Seigneur Jésus. Ezali nzoto na kolo Yesu Kristo. Et frère Medio, frère Dioka. Le corps de Branham, nzoto ya Branham, c'est le corps de Dieu. Ezali nzoto na Nzambe. Elle ne pouvait pas toucher la corruption. Ekokaki kopola te. J'ai dit frère, la corruption entre après combien de jours? Kopola eyaka sima na mikolo boni. Dans 72 heures. Kati na. Et le corps de Branham, nzoto ya Branham, est resté mort. Etikalaki ya kopola. Pendant combien de jours? Mikolo boni. Plusieurs jours. Mikolo ebele. La corruption est entrée. Kopola ekota kina yango. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul corps. Nzoto bobele moko. Il ne pouvait pas toucher la corruption. Oye kokaki kopola te. C'est le corps de Jésus Christ. Ezali nzoto ya Yesu Christ. Et pourquoi avant 3 jours? Tina yango liboso na mikolo misato. Le corps est revenu. Nzoto wana esekwaki. Amen. Amen. Vous pouvez justifier comme vous voulez. Bokoki koloba ndenge bomoni. Mais la parole reste la parole. Ah, c'est liloba. Ekotika na bobele liloba. Amen. Amen. Le corps est rentré à la poussière. Nzoto ezongi na putulu. Branham dit que le corps qu'il a utilisé à Sodome. Branham alobi ete nzoto oyo nzambe asalaki na Sodome. Est rentré à la poussière. Ezongaki na putulu. C'est rentré à la poussière. Ezongi nango na putulu. Ce corps-là atteint la résurrection. Nzoto wana ezali kozala lisekwa. Ce corps-là attend la glorification. Nzoto wana ezali kozela kopesa melaka nkembo. Satan ezali kozela la glorification. Kozwa nkembo. Frère Dioka, le corps de frère Banamé est déjà ressuscité. Où? On de kodi oka zo de Banamé silikos. Esekwi wapi? On l'a vu où? Bamoni yango wapi? Le corps de Jésus. Nzoto na Yesu. Après 3 jours. Simana mikolo misato. On a vu ce corps circuler. Le même corps. Mais comme disent le corps de Branham. Qui l'a vu? Il va m'inventer des histoires. Non, ça c'est dans l'almanach. Wana ezali makambo na kati na almanach.
Ce n'est pas dans le message. Ezali na kata li lobo yote. Amen. Amen. Branham me dit que mes cheveux qui sont partis. Branham a lobi ate suki nanga yo yelongwe. À la résurrection. Na lise quoi? Tous mes cheveux. Zot suki nanga nyoso. Vont repousser de nouveau. Et kozonga li susu. Amen. Tout se rit ici. Oh yo nyonso ba banzolo ko esali bo. La Bible dit que à la résurrection. Bible et le biete na lise quoi? Quand ce corps là apparaît. Tango nzoto wana emonani. Il n'apparaît pas dans le vieillage. E kobimate na lolenge na konuna. Jeune. E komonana elenge. Comme il était vers l'âge de 22 ans ou de 18 ans. Lenge azalaki pe na mibutu bibe na mibaleto so mina mwambe. Amen. Amen. C'est ça l'apparence que Branham aura. Yangonde lolenge Branham akomonana. Un beau jeune homme. Et lenge mobali ya kitoko. Avec tous ses cheveux. Na suki na ye nyonso. Ça ce n'est pas Jésus qui a vieilli. Ça c'est dans l'almanach. Wana katina mikanda na masapo. Amen. Amen. Un frère qui me dit. De comment quoi le binangai? Non, c'était Branham. Eh, c'est là qui Branham. Le corps de Dieu. On est ensemble. Quand on est encore, on est vieux, on a des barbes. Oh, tant que mon toasali mo bangé, asali na mandefo. Mais là-bas, ah, c'est kuna. Ce sera le corps de Branham. Yangonde vous allez nous autres na sans barbe. Azangi mandefu. Le corps de Branham est déjà ressuscité. Nous autres na Branham est silico seco. Pourquoi inventer des histoires? Pona nini obimisa makambo boye. N'inventez pas. Obimisa makambo yo mokote. Un jour. Mokolo moko. Branham. Neville. Neville. Meda. Pour les saints. Ba santo Johnson. Il apparaîtra sur la terre. Ba komona na mokili. Il n'y aura plus d'espace. Et si que vous allez tout sauter? Non, il n'y aura plus de distance. De distance. Et vous allez tout sauter qu'au Kabouana, na bisika milai milai. Et à Paris. À mon ami Awa. Oh. Oh. Quel est Seigneur qui me dit? Oh là, Pamboyo. Quel est Seigneur qui me dit? Oh là, Pamboyo, Ndeko. Amen. Amen. Nous le verrons. Tokomona bango. Ils apparaîtront. Bakomonana. Après nous partons. Pena se matokei. Et lui, Peye, il se tient devant. À côté Maliboso. Pour notre âge. Pona ile konabiso. Il dit à Jésus. Arabina Yesu. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Voici. Sala. Le trophée de mon ministère. Bano ya mosala nangai. Amen. Amen. Le sang de saint. Esika oyele kibule. L'épouse de Jésus-Christ. Mwati na libala na Yesu Christo. Amen. Amen. Il doit être un. Oyo asengeli opakolama. Mais Abraham dit encore. De quoi même à l'obili susu. Bonjour dans ce message. Kat bobele kati na lite ya wana. C'est pourquoi c'est cette épouse qui descendra dans le millénium. Tina yango mwaza libala oyo nde akokita kati na bokonzi na mbula nkoto. Qu'est-ce que c'était paragraphe 134? Eteni ya mokama tukumi satu na mine version mamadisa. Son peuple l'avait couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Les botanes batonaye, bapesa qui est motolé, le col en colonne avant colopé, mon conseil va conduire. Revenant à son Saint-Temple. Oh, yazongi, katina temple yaboule. Ouin avec la présence de Dieu. Apakolame, nakosan ensemble. Pour vivre et régner à travers le millénium avec son église. Ouete, abi, kapéaza na bokonzi, katina millénium. Et l'ongona église yanaye. Amen. Amen. L'apparition avec les puissants rois.
Pour la prendre, l'épouse à ses côtés. Les nouveaux temples, ouin. Temple na suka na bokonzi, oyo et pakolami. Encore une autre. Et comme il moussoussou. Qu'est-ce qu'est l'onction? Paragraphe 131. La joie du Seigneur. Ezalie sengo nankolo. La joie du Seigneur. Esengo nankolo. Les jubilés de l'épouse. Jubilé ya mwasa libala. La joie de connaître notre mari. Esengo ya koyeba mobali na biso ya libala. Amen. Amen. Cette joie là. Esengo wana. C'est ça l'onction. Yangonde ko pakolama. La révélation. Et mon Isélie. Créer Jérusalem pour une joie. Jérusalem yasika pona esengo. Et son peuple pour une joie. Pe libota na ye pona esengo. Je me réjouirai dans Jérusalem. Nako sepela Jérusalem. Le roi sur le trône. Mokonzi. Ati na kiti na bokonzi. La majesté, le majesté royale sur le trône. Bon zambé, oye na bokonzi, kati na kiti na bokonzi. Le trône éternel. Kiti na bokonzi, ya seko na seko. Et le peuple éternel. Mpe libota, ya seko na seko. Avec une joie éternelle. Na esengo na seko, dans une cité éternelle. Kati na engumba na seko, le roi éternel. Mokonzi na seko, sur le trône éternel. Na kiti na bokonzi na seko, avec un peuple. Na libota éternel. Oya seko na seko, avec une joie éternelle. Na esengo na seko, dans une cité éternelle. Kati na mboka ya seko na seko. Est-ce que vous serez là? Oko za la wana. Amen. Amen. Donc c'est la ville qui est loin. Yango engumbande zeli ko pakolama. Nous faisons partie. Tozali pe na kati na yango. Branham fait partie aussi. Branham pe azali na kati na yango. Amen. Amen. Comme Branham l'a dit. Oko Branham alobaki yango. C'est dans le millénium. Et na kati na millénium. L'épouse ne sera pas constituée d'une seule personne. Moi, c'est la libala et que ça va bouler mon tout mon côté. Non. C'est. Pas une seule personne. Et que ça va mon côté. Tous seront là. Nyonso, ton côté la wana. Quelqu'un qui me disait. Mon tout mon côté avec le barangay. Dans le millénium. Quand il y a un millénium. Chacun verra Jésus de la manière qu'il est apparu dans son âme. Moko na moko akomona Yesu na lolenge oyo ye amonana ki na eleko na ye. Pour dire que nous verrons Jésus sous la forme de Branham. Alingaki koloba ndete biso tokomona Yesu na lolenge ya Branham. Ebi ambo. Abira ye ha. Waje de otande Moïse. Alobina ye na tangu na Mose. Ils verront Dieu sous la forme de Moïse. Bakomona nzambe na lolenge na Mose. Otande Noé, ils verront Dieu sous la forme de Noé. Na tangu na Noah, bakomona nzambe kati na lolenge na Noah. Otande Abraham sous la forme d'Abraham. Na tangu na Abraham, nzambe na lolenge na Abraham. Il n'y aura que peut-être quelques-uns seulement. Ekozala bobele bato muke. Otande Pierre. Na tangu na Petelo. 120. Bakozala mukama na tukumi bale. Ils verront Jésus sous sa forme. Oyo bakomona Yesu na lolenge na ye oyo. Et bien alors ce sera une drôle d'histoire. Na lobi wana ekozala likambo ya kokamwa. Chacun verra voyage Jésus sous une forme. Moko na moko azali komona Yesu na lolenge na ye. Non. C'est. Toutes les 500 femmes de la ville constituaient son épouse. Asi nyonso kama mitano na Dawidi bazalaki mwasi na libala. C'était un type. Ezalaki elilingi. Quand Christ sera assis sur le trône dans le millénium. Eko fanda Christ likaona kina bokonzi kati na bokonzi na nkoto moko. Son épouse ne consistera pas en une seule personne. Mwasi na ye na libala akozala bobele mutu moko te. Mais à des dizaines de milliers. Asi ekozala bankoto na bankoto. L'épouse.
Amen. Amen. Les 500 femmes formaient une épouse. Les milliers de gens qui seront là vont constituer une épouse. Amen. Amen. Maintenant, Sikoyo, cette photo ici. Photo Oyo. Ça, ce n'est pas le trône de David. Oyo, ezali kiti na bokonzi na David te. Non. Te. Ça, ce n'est pas le trône de David. Oyo, ezali kiti na bokonzi na David te. Laissons les prophètes le dire. Toti ka mosakoli, aye bitabiso. C'est un âge terrible. Ezali eleko yakokamwa. Dieu envoie nous des serviteurs. Zambe, izere biso basali. Qui peuvent nous aider? Oyo bakoki kozunga biso. C'est un âge terrible. Ezali eleko yakobanga. Quand on voit. Tango tozali komona. Je vais parler avec elle. Pourquoi ils sont là? N'en dépomoko. Vous voyez que ce sont des citations qu'on fait à l'air. Comment les arrivent au bel et ma commis? Oh, il y a pas d'arrivée au camatali colo nicolo. On leur donne tout un poste, une autre femme, un autre sang. Ben ma commis yango, basali copain sa yango nimbola mususu. Branham, c'est l'agneau de Dieu. Balobi est Branham, yende moi n'empater ensemble. Pourquoi faire? Pas une indéco. Abraham ici dit, il y a deux sabbats. Oh, Abraham a le bien. Ah ouais, c'est sabbata et zakami balé. Oui. Ah bien. Abraham a le bien. Il m'explique. Ah, c'est l'hyper colimbo la yango. Un agneau pour les juifs. Moi, n'en pâté pour la bayouda. Ils sont prêts. Oh, yo bango, parce que c'est un kabaloko lambeka. Un type. Et l'ilingue. Le véritable agneau qui devait venir. Moi, n'en pâté à solo. Oh, y'a Seigneur qui koya. Le Seigneur Jésus-Christ. Nkolo, Jésus-Christ. Non, l'agneau des nations, c'est Branham. Oh, t'es, moi, n'en pâté pour la mabota, à Dali Branham. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait deux agneaux. Pouette, n'a condi mananakala, n'en pâté, parce que n'a qui un agneau qui était tué. M'pâté, moi, quoi, y'a Zalaki Kobomama. Et un autre qui n'était pas mort. M'pé, mon sou, y'a Zalaki Kobomama. C'est celui qui n'était pas mort. Ezali oyo atikali na bomoi. C'est lui qui allait crier l'expiation. Oyo azali kende konganga pona mbondi na masumu. Oui. Malobi eh. Alors maintenant. Et bongo sikoyo. Cet agneau là. Mpate wana. Qui va maintenant crier. Oyo azali kende konganga. C'est qui? Yenan. C'est Branham. Azali Branham. J'ai dit frère. Malobi na yendeko. Les deux animaux dans l'Ancien Testament. Banyama oyo mibale, kati na kondimana nakala. Était au même endroit. Ezalaka na esika moko. On tue l'un. Babomi oya liboso. On prend le sang. Bakamati makila. De celui qui est mort. Banyama oya kufi. On verse sur l'autre. Basopi yango likolo na banyama oya tiali na bomoi. Et l'autre, Pe Moussousoyo, crier. Azaï Konganga. Saint. Santo. Saint. Santo. Il criait. Azaï Konganga. Pardon. Bolimbisi. Pardon. Bolimbisi. Pardon. Bolimbisi. Jésus, c'est l'agneau qui est mort. Yesu, yende mwana mpateo ya kufaki. Branham se trouve ici à la fin. Branham Azalia wana suka na il n'était même pas là. Azalia qui a wana te. Quand l'agneau était mort. Natango mpate akufaki. Comment aujourd'hui? Ndengeli ni lelo. Branham il est maintenant l'agneau. A komi mpate. Il crie l'expiation. Oyo Azali konganga pona mbondi. Mais au temps de Paul. Kasi natango na Paul. Qui était là? Nani Azali qui mpate. Au temps de Colomba. Natango na Colomba. Qui a fait ça? Nani Azali qui mosaloi. Amen. Amen. Aujourd'hui, les loyaux,
L'agneau qui moi, est mort. Moi, non, pas de la coupe. Et celui qui crie. Na, oh, ya, zali, konganga. C'est toujours le Seigneur. Et zali, bobele, kolo, Yesu Christo. Pourquoi? Pour nanini. Parce que. Poète. Il y avait un agneau mort. Et un autre vivant. Notre agneau. Il était mort. Et il est vivant. Il est mort en versant son sang. Amen. Amen. Et la Bible dit dans Hébreux que Jésus était le souverain sacrificateur. Il est allé dans le ciel afin que son propre sang. Il s'est assis sur le trône. Pendant les heures, il prend le sang. La parole. Il jette à la lumière. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui ont parlé pendant les temps. Oh, yé, le baki, kati, kati, na bileko. Ça devait simplement être dans les hommes. Et c'est là qui est dans le kati na bato. Au temps de Paul, ce n'était pas Branham. Natam na Paul, Branham de Moutonzalaki. Non. C'est. Pour faire l'expiation sur le peuple. Pour être à Salamboy, na masoum l'ikona. Branham n'était pas. Branham n'était pas. Lui, loin. Yeah, Azraki Mosika, Ayewa, Nasuka, Natango. Donc, Paul n'a pas reçu le pardon. Oui, Paul a dû ne pas l'imbiciter. Autant les Colombains, ils n'ont pas reçu le pardon. Natango, la Colombien, bah, si, l'imbiciter. Non. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Bozali Kolandanga et Balingani. J'en parle avec un cœur. Nazali souffre. Nazali Kolobayango, Benza, Namingai, Katina Motema. Avec pleurs de voir des chrétiens bien-aimés qui se perdent. J'ai dit aujourd'hui, na lobile lo. On a cherché qui est digne de prendre les livres. Balukaki nani akokaki pweta kamata mokanda. Où était Branham? Branham azalaki wapi? Le prophète Branham dit lui-même. Depuis Adam, Outa Adama, jusqu'à la fin, Kino Awanasuka, il n'y avait personne. Mutumoko Atalakite. Dans le ciel, Kuna Katina Lola, sur la terre, Awana Mokili, sous la terre, Nasena Mabele, Mokote Azuamaki. Branham regarde. Branham Pé Azari Kotala. Il attendait. Azari Pé Kotala. Pourquoi il n'est pas allé? Il était indigne. Il avait besoin de la rédemption. Laissez mon Branham à sa place. Il n'a pas cherché cette gloire. Amen. Il y avait un agneau. Kati mpatwana mpatemo kwa zalaki. Qui était digne? Oyo abongaki. C'est le Seigneur Jésus. Yen kolo Yesu Christo. C'est celui qui est sorti du trône. Yende alongwa na kiti na bokonzi. Avec le sang qui coule. Nama kila mazali kotanga. Amen. Amen. Il était l'agneau qui était mort. Azalaki mpatwa ya kupaki. Il était le bouc qui était mort. Azalaki tabo ya bongaki. Il était aussi le bouc azazel. Azalaki pense tabala azazel. Oh lui le Seigneur Jésus. Lelo yonkolo Yesu Christo. Amen. C'est lui qui a éloigné les péchés. Yende amemaki masumu mosika. Quand il a pris nos péchés. Et kamata ki masumu nabiso. Il est monté vers le trône. Ye amataki pa inankiti na bokonzi. Alobi tata. Je suis mort. Ngai nakufaki. Pour ce peuple. Bona batoyo. Regarde le sang qui coule. Tala makira mazali kotanga. Je suis venu avec le sang. Na ye ina makira. Dans le lieu très saint. Pardonne mon peuple. Limbisa batunangai. Nous avons reçu le pardon. De ton droit qui vous limbisi. Maintenant, quand on réclamait qui est digne, tango bazali kotuna nani abongi.
Jésus était un peu resté. Yes, qui moi moqué. Il avait entendu. Ayo kaki. Il a dit, je vais voir. Ceux qui se vantent. Ceux qui sont orgueilleux. Oh, y a pas d'aller l'olendo. Sur la terre. Na banda nyana tala. Sur la terre. Awa na mokili. Qu'il vienne. Baya. Je vais les voir. Na komona bango. Il avait entendu. Ayo kaki na ye. Quand tu as fait la paix. Tango ba bianga ki. Il a attendu. Ah, c'est là qui n'a rien. Il a attendu. Ah, c'est là qui n'a rien. Il a attendu. Ah, c'est là qui. Personne. Motote. Non pas de s'approcher. Pour n'accomplir le matin. Mais de regarder même le livre. Attends, pour ça la mise au yapamba na buku yango. On ne voulait même pas regarder. Mais regarde, attends, pour ça la tête. Même regarder. Attends, pour mettre les souvenirs. On n'est même pas digne. De regarder les livres. Le Père disait qui est digne. C'est à ta gotuna nani à koki. Tous les yeux. Batonion se mit son assez. Personne n'était digne. Mon côté à Bongaki. Pendant que personne ne regardait. N'attends mon côté à Zaki Kota. L'agneau est sorti. Moi n'en pâté Abimaki. L'agneau de Dieu est sorti. Moi n'en pâté Nanzambe Abimaki. Il dit moi l'agneau de Dieu. Alobinga n'en pâté Nanzambe. Je suis digne. Na bongi nangai. J'ai pris les livres. Ah Kamata ki Mokanda. Quand l'agneau a pris les livres. Et Kamata ki m'en pâté Mokanda. Il est devenu le lion. Na koma kinkosi. Amen. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Il a dit maintenant. Je possède. Le titre incontestable. Alobisikoyo. Na siliko kamata. Buku oyo pona yango tembe ata moko ezalite. Amen. Car le vieillard a dit. Mobangalobi. Oh, oh, regardez. Talani. Le lion de la tribu de Juda. Gosse na libota na Juda. Tous. Bangonyoso. Ils vont lever la tête. Bafungole miso. Ils vont regarder. Batalaki. À toi la gloire. Alléluia. À toi l'agneau. À tout mystère. Amen. Et parce que tu es digne. Te y a kokaki. Je prends les livres. Ya kokamata mokanda. À toi la gloire. Je te me parle na yo. Honneur. Amen. Amen. Branham aussi a sauté. Branham est pas dit qu'on pimpe. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh mon Jésus. Oh Jésus Nangai. C'est lui qui a été dit. Yende andi akokaki. Amen. Amen. De prendre les livres. Boka matabokanda. Et d'ouvrir les sous. Beko fungola bilembo. Amen. Le ciel et la terre. L'eau la paix mokili. On glorifie Jésus. Bakumisaki Jésus. Venir me raconter l'almanach. Oh Yako bete langai masapo. Oh Jésus là. Oh yes wana. C'est déjà fini. Et si qu'on s'y la pone à ye. Ça c'est le Jésus de ta tête. Oh yo, azali bobele yeso ya outi na moto na yo. Mais mon Jésus à moi. Kasi yeso yangai. Le Jésus de Branham. Yeso ya Branham. Il est vivant. Azali na poboy. Aujourd'hui. Le no yo. Il est là. Ye wana. Amen. Amen. Il est encore vivant. Azali na poboy. Donc Jésus il est de l'histoire. Yeso ya yomoko. Nde ya makamuna kala. Mais le Jésus de Branham. Quand Yeso ya Branham. Jésus de Paul. Yeso ya Paul. Le Jésus de Moïse. Yeso ya Mose. Il est encore vivant. Ah, Zali na bomoy. Il le sera au siècle. Ah, Kosala na bomoy. Na bileko, na bileko. Amen. 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 L'agneau immolé. Moi, n'en passe, Oya Bomamaki. Il est vivant au siècle des siècles. Ah, Zali na bomo na bileko na bileko. Maintenant. Sikoyo. Ça c'est quoi? Oyo, Ezali likambonini. Ce n'est pas le trône de David. Ezali qui n'a pas de David. Non. T'es. Lisons un peu. Otangamuke.
C'est drôle. Et Zalili, comme il y a coca, moi. Ben, voilà, me dit ça. De grand bien, t'es Oyo. C'est Apocalypse chapitre 4. Et Zali et Moniseli, mon capoyamine. Amen. Amen. C'est Ézéchiel chapitre 1. Et Zali, Ézéchiel et mon capoyamine. Ézéchiel 1. Ézéchiel et mon capoyamine. Et Moniseli, mon capoyamine. C'est la même chose. Et Zali, les cambomoko. C'est quoi? Quatre Zali, les cambonines. Frère Abraham dit dans Apocalypse chapitre 4. Mon savoir le bien, quand il y a Emoniseli, mon capoyamine. Prions que le Seigneur envoie. Tout bon de la poète, un colo à Tinda. Ses serviteurs. La salinaïe. Sinon, on sera perdu. Pambate, tokobunga na biso. Je commence à voir que c'est la vérité. Na bandi comme on est Ezali solo. C'est la vérité. Ezali solo. Si Dieu ne fait pas grâce. Toki nzambe asali ngolute. De t'envoyer un homme. Et atin de la yomoto. Ou pas un homme, mais son esprit. Kasi motote. Kasi moli monaye. Un don venant de lui. Li kabopenza ko ute pa inaye. Qui est perdu. Obongi nayo. Quand je peux voir ces milliers d'âmes. Tangwe ko kingai ko mona ebele na ebele na bomoto na kati na bato. Qui meurt. Oyo bazali ko kufa. Méprise le sang de Jésus. Bazali ko tiola makila na Yesu Christo. Il est foule aux pieds. Le sang de l'alliance. Bazali konyatela na makolo na bango, makila na kondimana. C'est la mort. Oyo ezali liwa. Si Dieu te fait la grâce, soki nzambe aseleli yo ngolu, de te révéler Jésus-Christ. Ya komonisa Yesu Christ epai na yo. Reste à touche. Angama na yango. Amen. Amen. Dieu lui-même connaît ses enfants. Zambe yemoko aibibana naye. Apocalypse chapitre 4. Emoniseli mokapo ya mine. Frère Banam dit. Ndeko banam alobi. Paragraphe 125. Etenya mokama tumba na mitano. Remarquez comment Jean fut enlevé aussitôt après la fin des actes de l'Église. C'est un type de l'Église enlevée. Après le dernier acte de l'Église soit terminé, alors vient l'enlèvement. Comme Jean, l'Église monte dans la présence de Dieu. Il a entendu les cris qui dit monte ici. Branham dit que c'est l'enlèvement parce que Jean représente l'Église. Monte ici et vois le trône. Cela me donne des vertiges. Yango ezali kopesa ngai kizunguzungu. Monte ici. Mata awa. Quand il est monté, et mataki ye, il a vu toute une série de choses. Amonaki ebele na makambo. Beaucoup de choses. Amonaki makambo ebele. Il a vu l'enlèvement. Amonaki koneto lama. Il a vu le salut des Juifs. Amonaki lobiko na bayuda. Il a vu le millénium. Amonaki bokosi na mbula kota moko. Il a vu l'éternité. Amonaki seko na seko. Il a vu toutes ces choses. Amonaki makambo maso oyo. Quand il est mort. Na tangu ye amataki. Voyez Abraham dit encore. De moi alobi lisusu. Paragraphe 167. Na eteni ya mokama tuku motoba na sambo. Il a vu toute une série d'événements. Monaki makambo ebele osalema.
Dieu lui a révélé l'ouverture des seaux. Nzambe atalisi eko fungwa na bilembo. Il a vu comment l'agneau devait prendre le lit. Na kilo lenge kani mwana mpate asengela iko kamata mokanda. Comment les juifs devaient entrer. Lenge kani bayuda basengela iko kota. Comment le millénium sera. Lenge kani bokonzi na mbula nkoto moko iko sala. Satan sera lié pendant 1000 ans. Satan akokanga na minyololo mbula nkoto moko. Il a vu toutes ces choses jusqu'à là. Amona kibakambo maso oyo kino nasuka. Destruction du diable. Kobebi samanye na moyine satana. Il a vu toutes ces choses. Amona ki makambo maso maye. Paragraphe 167. Eteni ya mokama tukumotoba na sambo. Quand il est monté. Na tango ya mataki. Il a vu un trône. Amona ki kiti na bokonzi moko. Un trône était placé dans le ciel et sur le trône quelqu'un était assis. Kiti moko na bokonzi chemaki na lola mpeli kona yango mutu moko afandaki. Remarquez ici le trône. Botala wa madamu kiti na bokonzi. Il est assis sur le trône. Afandi katikati na kiti na bokonzi. Il n'est plus en bas sur la terre au milieu des lampes d'or. Azali suna sete kati na mokili katikati na bitemeli na minda na olo. L'enlèvement eut lieu. Konetu la messieurs et ses salami. Il est dans la gloire assis sur son trône. Azali kati na kembo afandi na kiti na bokonzi. Je voudrais que maintenant et par la suite vous remarquiez qu'il ne s'agit pas du trône de la grâce. Na lingete sasa ipi pe na tango ekolanda bomonete ezalite kiti na bokonzi na ngolu. Ce n'était plus le trône de la grâce. Ezalaki sute kiti na bokonzi na ngolu. C'était le trône du jugement. Kasi ezalaki kiti na bokonzi na kosambisa. Vous allez voir qu'après il va dire la grâce et le jugement. Bokomonete na sima kolobete ezali kiti na ngolu pe na kosambisa. Ce n'est pas un trône de grâce. C'est un trône de jugement. Ezali sambisa. Parce que du feu, des éclairs, des tonnerres en sortent, il n'y a plus de grâce. Puete moto na mikali kali pe na nkake ezali na kati ngolu ezali lisusute. Il voit le trône. Amone kiti na bokonzi. Sur le trône, personne qui était quelqu'un qui était assis. Kati na kiti na bokonzi mutu moko afandi. Mais de ce trône sort du feu. Kati na kiti na bokonzi oyo moto ezali kobima. Pour montrer maintenant que c'est le jugement. Bon, à côté de cette, ça, ça y est, et je lis ça. Pourquoi? Bon, Aline. Parce que c'était déjà la fin des âges de l'Église. Pour être comme qui souka na bileko na ecclesia. Pour le monde, il n'y avait que le jugement. Bon, à ça. C'est temps est passé. Tango yango et si koleka. Les âges de l'Église sont terminés. Bileko na ecclesia si ko sila. Ce soir, le sang est encore sur ce trône. Na pokwa oyo, makila ezali nanu kati na kiti na bokonzi yango. C'est encore un trône de grâce pour tout pécheur qui implore la miséricorde. Ezali nanu kiti na ngolu, pona mosumu kinyoso ezali kosenga ngolu. Mais ce jour-là, kati mokolo wana, ce ne sera plus un trône de grâce. Ekozali susu kiti na bokonzi na ngolu te. Mais ce sera un trône de jugement sur lequel siégera un Dieu irrité. Kati ekozala kiti na bokonzi na kosambisa. Likona yango nzambe akofanda na kanda. Quand il viendra dans les nuées de sa gloire. Ekoya ye kati na mapata na nkembo na ye. Les montagnes elles-mêmes chercheront un endroit où se cacher. Ngomba yango moko ekoluka esika wapi komibomba. Paragraphe 173, 174. Eteni amokama tukusambo na mine. Il a achevé son œuvre sur la terre. Asilisi mosale na mokili. Il a enlevé son église. Anetoli ecclesia naye. Maintenant il envoie le jugement. Sasa yipi atindi ko sambisa. Mais regardez bien. Kasi bota la malamu. Jean qui monte. Yohane ya mati. Branham dit que c'est le type de l'enlèvement. Branham alobi ete zeli etali seli ya koneto la ma. Vous allez voir bien que Jean. Boko bota la malamu ete Yohane. Son cœur était sur la terre. Nzoto naye ezalaki na mokili. Mais son âme. Dans la gloire. L'enlèvement de l'église. Koneto lama ya ecclesia. Qui commence? Oyo ebandi. Le jugement. Kosambisa. Qui commence déjà sur la terre. Oyo esiko banda kati na mokili. Est-ce que vous me suivez? Zali ko landa ngai. Il envoie le jugement. Atendi kosambisa. Lui et son église sont entrés dans la gloire. Sur l'île de Patmos. Na esanga na patamo. Jean qui devait apporter la révélation à l'église fut enlevé dans la gloire. Comme un type de l'église monte ici.
Vous me direz, il représentait l'Église. Jean était le type. Yohane Azalaki Elilingi. De tous ceux qui entendraient cette parole. Jean représente ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et qui rendent témoignage à la parole. Il fit témoin du Saint-Esprit. Il représente l'Église tout entière. C'est-à-dire que tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille qui a cru en Christ. Et voici le trône était placé dans le ciel. Ce même esprit qui était sur la terre, la quitta et entra dans la gloire. C'est même Jésus qui est avec nous ici ce soir. Sur son trône de grâce. Il est entré dans la gloire et s'est assis sur le trône. C'est pour nous montrer un peu ce que représente Apocalypse chapitre 4. Après les âges de l'Église. Sima na bileko na ecclesia. À ce moment-là. Na tango yango. On verra le trône. Tokomona kiti na bokonzi. On verra comment l'agneau va prendre le livre. Tokomona lenge kani mwana mpate akokamata mukanda. On va avoir l'ouverture de cette seau. Tokomona kofungolama na bilembo sambo. Parce que Branham dit que les seaux sont ouverts après la fin des âges de l'Église. L'agneau prend les livres enfin après la fin des âges de l'Église. Est-ce que vous voyez ça? À la fin des âges. Maintenant, ce trône-là, c'est quoi? Ça, ici, il ne parle pas de millénium ici. Awa azali koloba nantina na millénium te. Il parle d'un trône. Azali koloba nantina kiti na bokonzi. Il a vu. Oyo ye amonaki. Qui était le trône de grâce, qui est devenu le trône de jugement. Oyo zela kiti na bokonzi na ngolu. Pe komi kiti na bokonzi na kosambisa. Par là, Dieu pouvait apporter la grâce au monde. Na yangonza na kopesa ngolu na mokili. Et après, pe na sima, il commençait à juger la terre. Par ce trône. Abandaki kosambi samokili na kiti na bokonzi oyo. Amen. Amen. Sur ce trône, quand il était assis. Likona kiti oyo na tango ya abandaki. C'était le trône de la grâce. Ezalaki kiti na ngolu. Après. Pena sima. Ça devient le trône de jugement. Et comme kiti na bokonzi ya kosambi sa. Ce n'est pas le trône de David. Ezalaki kiti na bokonzi na David te. Ici on parle de l'enlèvement. C'est à ce moment-là qu'il a vu ce trône. C'est avant le millénium. Na millénium. Frère Branham dit, il parle de ce trône. Paragraphe 111, les 24 anciens. Je fus en esprit et voici un trône était placé dans le ciel. Hier soir, nous avons trouvé qu'il n'y avait personne sur le trône. Mais maintenant, il y a quelqu'un. Cela nous montre que Jésus est monté avec son église dans la gloire. Et s'est assis sur son propre trône. Assis sur le trône. Cela se passe après les âges de l'Église. Mais vous demanderez, où est son trône aujourd'hui? Où est son trône? S'il n'est pas sur son trône. Mais où est son trône? Il n'est pas sur son trône maintenant. Certainement pas. Mais ce trône dont nous parlons, c'est quoi? Kasi kiti oyo na bokonzi, ezali nini? Jean s'éternel là, il est vit assis sur le trône. Paragraphe 134. Yohane avandaki wana pe amonaki afandi na kiti na bokonzi. Il était assis sur ce trône. Paragraphe 146. Eteni ya mokama tukumine na motoba avandaki na kiti na bokonzi oyo.
La pierre de jaspe et de sardoine. Les bangas de jaspe et de sardoine. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ, c'est l'Église. Il était le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Il est la fin du temps. Le premier des patriarches. Le dernier des patriarches. Il était l'esprit qui était dans l'église d'Éphèse. Il est l'esprit qui est dans l'église de Laodicée. Il est le premier et le dernier. Le A à Z. Le premier et le dernier, celui qui était, qui vient, la racine et le rejeton de David, l'étoile du matin, l'hélice de la vallée, la rose de Saron, il est tout ça, assis sur le trône. Ce trône aujourd'hui, c'est quoi? Retournons la Bible, l'Ancien Testament, Ézéchiel. Lui aussi vit Jésus. Ézéchiel 1:26-28. Il parle maintenant de ce trône. Et sur cette trône apparaissait comme une figure d'homme placé dessus en haut. C'était le Fils de l'homme. Christ. Écoutez, soyez spirituels. Comprenez de tout votre cœur. Je vous adjure au nom de Jésus, gardez ceci en vous. Rappelez-vous à quel point c'est une bénédiction. Un feu couleur vert jaunâtre. Je voudrais que vous vous rappelez que Dieu existe encore. Lorsqu'il vit cet être vivant qui se tenait devant lui, Ézéchiel dit depuis ses reins jusqu'en haut et depuis ses reins jusqu'en bas, il y avait comme un feu. Ézéchiel a monaki, outana loketo na ye kino likolo, outana loketo na ye kino na se, ezaki lokola moto. Comme une lumière qui le couvrait. Lokola poleo ezaki konzingela ye. Et tout autour il y avait de nombreuses couleurs. Pezonga zonga ezaki balangi ndenge na ndenge. Comme dans un arc-en-ciel. Lokola kete na monama. Je voudrais vous rappeler que Dieu existe encore dans les mêmes couleurs. Na lingi kwa bisebina te nzambe ezali nga no kete na langi moko. Depuis les reins jusqu'en haut, depuis les reins jusqu'en bas. Outana loketo kino likolo, outana loketo kino na se. Et tout autour, plusieurs couleurs comme l'arc-en-ciel après la pluie. Il en a fait, il en a été fait des photos. Et des films en couleur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il parle maintenant de cette photo. Amen. On voit un homme ici. Nakati awa tozali komona moto. Cet homme, c'est William Branham. Pe moto yango azali William Branham. Il est environné du feu. Anzingami na moto. Qui monte, le feu qui descend. Longo na loketo kino likolo, longo na loketo kino na se. Cette photo signifie quoi? Photo ayo etali sinini. Il parle du trône. Non pas le trône de David. Mais il est en train de parler du trône du jugement. C'était le trône de la grâce. Et ça devient le trône du jugement. Il parle de cette photo ici. Dieu assis sur son trône pour juger, apporter la grâce à ceux qui veulent la grâce, apporter le jugement à ceux qui rejettent.
Et pas une abaye, pas qu'on boit yango. Amen. Amen. C'est de cette photo dont il parle. Ah, c'est-à-dire qu'on va entrer dans la photo, Oyo. Le trône. Kiti Nabokonzi. Pas le trône de David. Kiti Nabokonzi na David dit. Parce que c'est lui qui est sur le trône. Pouette, oh Azali, Kiti Nakiti Nabokonzi. Il dit que c'est le fils de l'homme. Alobiete, Azali, moi en amoto. Christ. Christ. Branham n'est pas le fils de l'homme. Branham Azali, moi en amoto. Branham, il est un fils de l'homme. Branham Azali, Moko na bana na moto. Mais ici, Kasi Awa, le fils de l'homme, Mwana na moto, Christ, Christo, est assis sur le trône. Afande likona kiti na bokonzi. Comme il est assis sur le trône, le kola afande na kiti na bokonzi. Là où le fils de l'homme se trouve, et pas Mwana na moto Azali. Là où Dieu se trouve, et pas Iwa pinzambe Azali. Il y a une gloire. Kembo Azali. Pourquoi? Là où Dieu est assis sur le trône, et il y a la gloire qui l'environne. C'est quoi ce trône? Branham dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit est toujours dans sa puissance et dans son église aujourd'hui. Azali Bobele, Kati Nanguya Naye, Pe Kati na Ecclesia Naye, Lelo. Ça, c'est l'église. Oyo, Ezali Ecclesia. Branham représentant l'église. Branham Azali Kotalisa Ecclesia. Dieu, Nzambe, assis sur le trône. Avandi na Kiti Naye na Bokonzi. Dans son église. Kati na Ecclesia Naye. Dieu dans l'église. Nzambe kati na Ecclesia. Dans une chair humaine. Kati na Zoto na Moto. C'est cela le trône aujourd'hui. Le Yangonde kiti na Bokonzi lelo. Amen. Amen. Quand Branham était vivant. Na tango Branham azalaki na bomoi. C'est ce qui va expliquer ici. Yangonde akolimbo lao. Continuons. Toko bakotanga. Dieu dans son église. Nzambe kati na Ecclesia naye. Dans son trône. Kati na kiti naye na bokonzi. Voilà. Tala. Il ne s'agit pas de moi. Yango ezali na ntina na ngai te, ezali ngai te. Il ne s'agit pas de moi. Ezali ngai te. J'étais simplement là. Nazalaki bobele na esika yango. Des photos ont été prises. Bakangaki ba photo. Je voudrais que vous puissiez bien regarder cela. Na lingete boko kotala yango malamu. C'est exactement ce qu'a vu Ezekiel. Ezali penza yango bona ki Ezekiel. La même apparence. Comment on a moko? La même manière. Lolenge moko. Une chair semblable à des êtres vivants. Nzoto oye ezali lokola nzoto na bato. Qu'est-ce que cela signifie? Yango etali sinini. Les êtres vivants représentent l'église vivante. Bato bazali kontali cette église na bomoi. L'église qui vit par la puissance et la résurrection de Christ. L'église ezali kopika na nguya pe liseko na Yesu Christo. Ces mêmes couleurs. Des reins les couvraient depuis les reins jusqu'en haut et depuis les reins jusqu'en bas. Langi moko yana motako. Et zalaki konzinga laye. Utana loketo kino likolo. Utana loketo kino nase. C'est lui qui est assis sur le trône. Oya fanda ki nagiti na bokonzi. C'est le premier et le dernier. Et zali moto na yambo pe moto na suka. Le commencement et la fin. Et bandeli pe suka. L'alpha et l'oméga. Alipha pe omega. Le Saint-Esprit. Molimo Mosanto. Assis dans son église. Oya fandi na kati na eklesia na ye. Ce n'est pas moi Branham. Et zali ngai Branham te. Mais j'étais seulement là. Kati na zalaki bobele na esika yango. Comme une chaise. Lokola kiti. Mais Kasi. Il y avait quelqu'un. Motemoko Azalaki. Qui était assis. Oya Vandaki. Sur le trône. Nikolona Kiti Nabokonzi. Amen. Amen. Il y avait quelqu'un. Motemoko Azalaki. Moi j'étais seulement là. Ngai Nazalaki Bobelewana. Comme une chaise est là. Lokola Kiti Moko Azaliwana. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Et c'est vrai que Moutoua Fana Kati. Qui a s'asseoir là-bas. Motemoko Azalaki Kuna. C'est qui. Quand on prend la photo. Dans la Kamata photo. Amen. Amen. On va prendre. Bakokaka. Et celui qui est assis. Na mofandi na kiti. Et la chaise. Na kiti yangomei.
ça va apparaître sur la photo. Et comment on a quand la photo? Mais celui qui y est important, ce n'est pas la chaise. C'est l'homme qui est assis sur le trône. Amen. Amen. Un jour, Mokolomoko, on va enlever cette chaise. On met ça à quelque part. On cherche d'autres chaises. On met là. Le même Dieu, il aura d'autres trônes. Amen. Amen. Ces trônes-là, ce n'est pas le trône de David. Non. Dans les milléniums, il n'y a pas de jugement là-bas. Quand dans les milléniums, qu'on s'ambisse, qu'on s'arrête. Là, c'est la joie du Seigneur. On a Ezali et Seigneur dans Colo. Amen. Amen. Mais ici, Kasiawa, c'est le trône de la grâce et du jugement. Ezali qui dit dans Colo, peine à qu'on s'ambisse. Dont on est en train de parler ici. Ndete liko bantina yango sikoyo. Branham dit, je n'étais que là. Branham alobi, nazaki bobele sika yango. Ce n'était pas moi. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Non pas l'Éternel, mais la gloire de l'Éternel. La gloire du Seigneur recouvrant son Église. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il est dans son poète Azali na kati na ecclesia na ye. Amen. Amen. Comme Jésus est sur le trône, lokola Yesu azali na kiti na bokonzi. Aujourd'hui, leloyo, partout où le président Mobutu sera. Et pas ignoso oyo mokonda mboka Mobutu akozala. Toute son armée, toute sa puissance, toute sa gloire est là. Kembo na ye nyoso bibele na ye basili na ye nyoso kozala wana. Amen. Il va à Mongaliema, tout cela. Akaina Mongaliema na batuna yenyoso wana. Il va dans les bandundu. Akaina bandundu. Toute sa gloire avec lui. Na nkembo na yenyoso longo na ye. À partir de bandundu, uta na bandundu, il dirige le pays. Azali ko kamba mboka mobimba. À partir de Mbujimayi, longo na Mbujimayi, il dirige le pays. Azali ko kamba mboka mobimba. Aujourd'hui, leloyo, comme Dieu, le col en tombe, était dans un homme. Azala qui n'a qu'à tenir bonto. Comme la plénitude, le col en tombe, était dans William Branham. Azala qui n'a William Branham. Toute la gloire. Nkembo Mobimba. Environné. Azala qui consigne. À partir de Branham, l'ongwa outa na Branham. Dieu dirigeait le monde. Tombe, azala qui kamba mokini. Amen. Amen. Dans Branham, Katina Branham, Junior Jackson le téléphone à partir de l'Afrique du Sud. Junior Jackson a Betty Singaouta en Afrique du Sud. Bonjour frère Branham. Mbotende ko Branham. Attends. Zela Mouke, Junior. C'est toi, Junior Jackson. Yo, Junior Jackson. Type téléphone à partir de telle maison. Ozali ko bien ngai uta na ndaku songolo. Tu as un problème. Ozali na likambo. Il veut me dire ceci. Ozali ko balangai boye. Il veut me dire cela. Ozali ko balangai boye. Allez là-bas. Kende boye. Dans cette maison là. Nanda kuana. Il va trouver ceci. Okomona boye. Il va trouver cela. Okomona boye. Il le disait. Nana zali ko balango. C'est le Seigneur Jésus. Ezala ki kolo Yesu Christo. Ah si. Oya vanda ki. Sur le trône. Nikolo na kiti na bokonzi. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous allez qu'on en a. Ce n'est pas le trône de David. Et qui tient à David? Non. C'est le trône du Fils de l'homme. Et Zali qui tient à Bokonzi, il y a moins la moto. À partir d'ici, l'ongona est si koyo. Dieu pouvait accorder la grâce à ce monde. Nzambe, okay, comme Angolo, dans mon kilioyo. Branham dit que Noé. Branham a dit que Noah, il était la miséricorde en son temps. Ah, ça l'a qui m'a wana nzambe pour natango na ye. Si tu voulais aller au ciel, soko olingeko kenalola, voyez à Noé. Ndimela Noah.
Tu crois à Noé? On dit mais Noé. Tu entres dans l'arche. Au côté de Masoua. Qui rejette Noé? Au bois qui Noé. Qui meurt. Au coup final. Aujourd'hui. Lélo yo. Croire dans Branham. Kondi Bela Branham. Croire le message de Branham. Kondi Melobana Branham. C'est la miséricorde. Et Zali Mawanam Zambé. Rejeter le message. Koboa Kaliloba. C'est le jugement. Et Zali Kosambi ça. Est-ce que vous me comprenez? Oh Zali Kolandangai. Comme Dieu était assis sur le trône, le colon tombe avant qu'il n'acquitte la bocconze. C'est pourquoi cette gloire-là. Tina yango kembonyo sowana. Ces feux-là que vous voyez tout autour. Motonyo sowana vous allez comment en zonga zonga. Les quatre êtres vivants. Biserina bomo ibi mine. Toute la puissance. Nguyanyo so. Qui a couru ce trône-là? Oui, c'est qui consigne l'acquitte la bocconze. C'est quoi? C'est parce que Dieu était assis sur le trône. Amen. Amen. À partir de là, Longwa na isika yango. Dieu dirige le monde. Zambe azali ko kamba mokili. Est-ce que vous me suivez? Zali ko landangai. Aujourd'hui. Lelo yo. Quand Branham est parti. Na tango Branham akei. Le message est là. Liloba ezali. Ce n'est pas fini. Esilite. Le trône maintenant. Kiti na bokonzi sikoyo. C'est dans le royaume. Ezali ka na bandimi. Si vous prêchez le message. C'est lui qui croit en vous. C'est lui qui croit le message. Il obtient la grâce. C'est lui qui rejette. Il est jugé. C'est lui qui vous injure. À cause de la parole. Tu peux prononcer le jugement. Si tu as la révélation du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu as la clé. Ce que tu lis sur la terre, c'est lié dans les cieux. Ce que tu délis sur la terre, c'est délié. Jésus dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Si vous ne les pardonnez pas, ils ne sont pas pardonnés. Est-ce que vous comprenez? Les trônes de la grâce et du jugement. La gloire du Seigneur recouvrant son église. Parce que il est dans son église. C'est là pareil une folie pour celui qui manque de sagesse. Mais c'est glorieux pour ceux qui croient. Est-ce que vous le croyez? C'est glorieux pour vous. Et on dit dans le camp pour la bino. Amen. Amen. Le trône. Qui n'a pas compté? Nous avons vu donc. Paragraphe 223. Tomoni na bongo. Il s'agissait de ce trône de Dieu. Et des gens qui n'entendent pas qui n'a pas compté dans le camp. Dans le ciel. C'est quoi la carte dans l'ola? Est-ce que vous savez qu'on est dans le ciel? Oui, bien sûr, dans l'ola. Maintenant, on est au ciel. Ça, ça y est, dans l'ola. Amen. Entrez dans l'esprit. Quand vous entrez dans l'esprit, vous êtes au ciel. Branham dit que le ciel, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, écoutez attentivement. La gloire de Shekinah s'est retirée de ses trônes de grâce et s'est établie dans un autre tabernacle. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est le trône du jugement. Si vous parlez contre moi, il vous sera pardonné. Il annonce la venue d'un autre trône de grâce. Vous pouvez parler contre les fils de l'homme, je vous pardonnerai. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra habiter dans le cœur des hommes. C'est lui qui dirait une seule parole contre lui. Il ne lui sera jamais pardonné. Le premier trône était dans le ciel. C'était le trône du jugement. Le second trône était en Christ. Le troisième trône est dans l'homme. Amen. Amen. Dans l'homme. Dieu était au ciel. Il était en Christ. C'était le trône de Dieu. Aujourd'hui, le trône de Dieu, c'est dans l'homme. Dans l'homme, il apporte la grâce.
Azali comme Mangolo. Dans l'homme, il juge les morts. Azali comme Sambi Samoki. Père. Tata. Je ne prie pas simplement pour ceux qui sont ici. Mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il devient un homme dangereux. Un homme dangereux. Akomi moto yakobanga. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Moto azali nani? Dieu est dans son cœur. Nzambe azali na kati na motema na ye. Le trône de Dieu se trouve dans le cœur de l'homme. Kiti na bokonzi na Nzambe ezali kati na motema na moto. Dieu a établi son trône dans le cœur de l'homme. Nzambe acheki na bokonzi kati na motema na moto. Il entre dans le cœur. Azali kokota kati na motema. C'est là où est son trône. Et pas iwana nde kiti na bokonzi ezali. C'est le Saint-Esprit en vous. Ezali molimo mo santo kati na yo. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il devient automatiquement le trône de Dieu. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule et qu'on le fasse tomber dans la mer. Ne leur fait aucun mal. Il ne faut même pas les offenser. Ou les troubler à propos de quoi que ce soit. Il vaudrait mieux que vous vous noyiez. Que plutôt d'en offenser un seul. C'est là le trône de Dieu. Vous comprenez? Un jour, Billy Paul. Il a voulu offenser son père. Alingaki conseille tata na mabe. Il a parlé des choses qui n'étaient pas justes. Alors bakili kamoko ezaki malamu te. Papa, pourquoi tu as porté le chapeau? Tata pone ni olati kamwa ekoti oyo. Hein? Oh. Comment tu peux faire des choses comme ça? Boni osa makambo aboye. Il voulait aller manger. Billy Paul. Bon, vous pouvez aller continuer à aller manger. Moi, je ne serai pas avec vous. Gai, na kuya kolia elongo na binote. Mais papa, pourquoi? Tata pona nini? Allez. Te boke nan kolia. Bana me parti. Tango bango bakei. Père. Tata. Pardonne Billy Paul. Limbisa Billy Paul. Il ne sait pas que même le chapeau que je porte, c'est toi qui me conduis à le porter. Parce que toi, tu connaissais le message de 7 heures dans son habillement, dans son comportement, dans tout ce qu'il est. Pardonne-lui parce que le danger pouvait lui arriver. La grâce est arrivée. Ngolo Eyaki. Billy Paul est parti. Billy Paul Akei. Non, je sens que je ne le sais pas. Te Nayoki et Nazokisi papa. Il est rentré. Azongi. Papa. Avi papa. Je sens que j'étais blessé. Nayoki et Nazokisi. Pardonne-moi. Bimbi Sangai. Les prophètes disent mon fils. Monsakoli Alobina Yemona Nangai. Ce n'est pas moi qui t'ai blessé. Yo Ozokisi Nayongai te. Mais qui a blessé celui qui est en moi. Kasi ozokisi moto ya zelika tinangai. C'est pourquoi je suis resté pour prier pour toi. Tina yango natikala ki kobonde la pona yo. Afin que le danger ne t'arrive pas. Pwete likama liye la yote. Mais ne le fête plus. Sala yango lisusute. Vous comprenez? Sosoli. Le trône du juge. Kiti na bokonzi na kosambisa. C'est ce que Ezekiel a. Ezali yango emonaki Ezekiel. Vous l'offensez. Vous allez lier ma bête. Vous le blessez. Ozokisiye. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Moto ya zaina molimo mosanto.
le trône de Dieu dans son cœur. Dans ce tabernacle humain. Un jour, il est parti quelque part. Il va voir son ami. Après, Sima. Branham. Branham a commencé à lui parler un peu de la parole. Branham a dit que son c'est le problème de ta religion là. Motona le bina yé, ce qui est le cambo na macambo na nzambe wana. Si tu viens ici, on parle d'autre chose, pas de problème de la religion. Ce qui est ouya, votre macambo monsieur, ce qui est macambo na nzambe te. Oui, merci beaucoup. Comme Jésus n'est pas le bienvenu ici, moi aussi je ne suis pas le bienvenu. Il est parti. Quelques heures après, si Mwangonga, j'avais un gros camion. Quand son beau-fils était dans le camion, Bokilona ya mobali azalaki na mutuka kokumba yango. Ye a terminé sa semaine mutuka. Tourne à gauche. Azali ko bana ye yakaboye. Pesa boye. Pesa boye. Pesa na boko la mwasi. Tourne à gauche. Yakaboye. Pesa boye. Rip. A pesi mara moko. Écrasé. Anyati bokilona ye abomie libela. Pourquoi? Bona nini? Parce la blasphème de trop. Poete atuka ki kitina boko na nzambe. Dieu dans un nom. Zambe na kati na moto. Quand Dieu est dans un homme, Natango Nzambe azali na kati na moto. Branham dit que quand Dieu est dans un homme, Branham alobi ete Natango Nzambe azali na kati na moto. Tout le ciel, Lola Mobimba est autour de cet homme. Ezali zonga zonga na moto wana. Le ciel, Lola est sur la terre. Ezali na mokili. Amen. Amen. Dieu dans un homme, Zambe kati na moto. C'est le ciel sur la terre. Et Zali Lola, kati na mokili. Amen. Amen. Il est très dangereux. Ah, c'est Zali na likama mingi. C'est dans le lieu très saint que Christ a son trône. Et Zali na esiko le kibule, nde Christo, Zali na kitena bokonzi. Parce que dans le tabernacle, il y avait le parvis extérieur. Poète na mongombo, Zali na lopango na libanda. Le lieu saint. Esika na boule. Le lieu très saint. Esika le kibule. Dans l'homme. Kati na moto. Il y a trois parties. Le corps, Nzoto, l'esprit, Molimo, et là. Pepo moto na kati. Et Dieu Benzambe habite Abandaka dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est le cœur de l'homme. Et Zali, moto na moto. Dans l'âme. Kati na moto na kati. Amen. Amen. C'est cela le trône dont il est parlé ici. Yangonde ki na bokonzi. Oye balobi na ngot na tina yango. Voilà Christ sur son trône de jugement dans le cœur. Humain. Où se trouve le trône? Dans le cœur. Dans le cœur de qui? Des membres de cet âge de l'Église. Le corps de Christ. Nous autres dans Christ. Si vous dites un mot contre cela, ou vous faites une seule action contre cela, vous êtes condamné. Yo, vous répondrez de cela le jour du jugement. Et qui jugera la terre? Ce sont les saints qui jugeront la terre. Toi aussi. Yo pe lokola. Il est saint esprit dans votre cœur. Ce qui me dit mon saint, c'est dans mon thème. Tu es un trône de Dieu. Ozali qui t'a beaucoup ensemble. Amen. Amen. Branham était le trône. Branham a dit n'a beaucoup. Pourquoi? Pour la nini. Il était le trône. Azala qui t'a beaucoup. Parce que. Poète. Elohim. Elohim. Était en lui. Azala qui t'a eu. La grâce pour le monde. Ngolo pour la mokili. Des pas. Ezali kotala. De la position que le monde a vis-à-vis de ce que Branham a dit. Na lolengo yomokili ezali kozwa yango liboso na makambo malobi Branham. Il est venu apporter la grâce et le jugement. Ayei ko ngolupe ko sambisa. Parce que le trône de Dieu c'est dans le cœur humain. Poete kiti na bokozi na Nzambe ezali na kati na motema na moto. Je crois que vous comprenez maintenant. Na ndimiete kozo sambisa ça y est. Assis sur le trône. Nzambe afandi na kiti na bokonzi. Dans cet âge ici. Kati na eleko oyo. Dans cet âge
de l'église. Quand on est enlevé. Quand notre esprit est enlevé. Est au ciel. Dieu vient habiter dans notre cœur. Nous sommes au ciel. Étant sur la terre. Nous sommes déjà dans l'enlèvement. Est-ce que vous croyez qu'on est déjà dans l'enlèvement? Dieu est dans notre cœur. C'est le trône de Dieu. C'est le trône de Dieu. Ainsi, ce qui est très important, c'est lui qu'on adore. Ce n'est pas la chaise. Ce n'est pas la chaise. Non. C'est lui qu'on adore. C'est lui qui est assis sur le trône. Et c'est lui qui est assis sur le trône. C'est le premier et dernier. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme Dieu était là, c'est pourquoi toute cette gloire, vous voyez tout ce feu, parce que Dieu Elohim était sur son trône. Toute l'armée céleste entourer cet endroit parce que Dieu était assis sur le trône. Aujourd'hui Branham est parti. Le trône se trouve dans vos cœurs. Est-ce que vous le croyez? Maintenant la grâce Ngolo. Et le jugement pour ce pays dépend de la position qu'on a vis-à-vis de ceux-là qui ont le Saint-Esprit, qui ont le message dans ce pays. Amen. Amen. Ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est vous qui êtes la grâce pour cette nation. Pour cette nation. C'est vous qui êtes le jugement pour cette nation. On vous rejette. Vous allez à Goma, vous prêchez la vraie parole. Goma rejette. Goma aboyi. Goma. Goma. Comme tu as rejeté. Lokola yo oboyi. C'est fini. Et fini. Kinshasa, comme tu as rejeté la parole. Yo, comme tu as rejeté la parole. Lokola oboyi liloba. C'est pourquoi Frère Branham, il a proclamé, aye, asakola ki, j'accuse cette génération. Naspundi et le koyo. Ils ont rejeté le Seigneur Jésus. Abouaki, kolo Yesu Christo. Mais aujourd'hui, kasi le trône et dans votre cœur. Est-ce que vous le croyez? Que le Seigneur vous bénisse. Kolo Amen. 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 Nous allons maintenant nous tenir debout. Ça, c'est côté les mains. Donc ce n'est pas le trône de David. Est-ce que vous comprenez? C'est votre cœur. Qui est le trône? Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh, Ezali qui toque au bon côté. Quel amour merveilleux. Le trône de la grâce est dans les cœurs. C'est le trône où brille sa gloire dans tous ses enfants.
La gloire de la Shekinah dans les cœurs humains. La gloire de la Shekinah. Qu'est-ce qu'on appelle gloire de la Shekinah? C'est la présence de Dieu. C'est dans sa marche qu'un homme et une femme reflète la gloire de la Shekinah. Il ne va pas dans les salons des jeux. Il ne se conduit pas mal. Il ne renie pas la parole. Peu importe ce que disent les gens, son cœur est fixé sur une seule chose. Dieu. Et s'il est vraiment appelé de Dieu, alors Jésus-Christ se reflète au travers de lui par la gloire de la Shekinah. Et il fait les mêmes œuvres que Jésus a faites autrefois. Le trône de la grâce. Jean et Ézéchiel ont vu les deux la même chose. Le trône de Dieu dans le cœur de l'homme. Voulez-vous que Dieu vienne habiter dans votre cœur? Élève la main. Emmanuel. Vous l'aimez à votre tour. Nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour la révélation de Jésus-Christ. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous dans cet âge. Les désirs profonds de notre cœur. En attendant que nous soyons avec toi là dans le grand millénium. Aujourd'hui, viens établir ton trône dans notre cœur. Dieu Tout-Puissant, laisse que le ciel descende dans notre cœur. Laisse que chacun de tes enfants qui est dans cette salle, qui peut lever sa main pour montrer qu'il t'aime. Laisse que la gloire de la Shekinah puisse descendre dans chaque cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Laisse aussi pour chacun de nous, Seigneur, la gloire qui environne le trône puisse environner chacun de tes enfants et que les anges de Dieu puissent garder chaque croyant qui a le trône de Dieu sur son cœur, afin que si le diable veut lui faire du mal, que les anges de Dieu puissent l'empêcher à faire du mal. Je te demande, Seigneur Dieu, regarde dans cette église. Je te demande sincèrement, Seigneur, que tu établisses ton trône dans chaque croyant. Chaque fois que lui-même commet un péché, que le trône de Dieu puisse le juger. Lui montre réellement qu'il a mal agi. Parce que ton prophète dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Merci notre Père. Que la gloire du trône puisse environner chacun de nous. Que la gloire de la Shekinah environne chacun de nous. Nous croyons que tu les feras, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Les enfants de Malachi 4. Daniel a vu le trône. Daniel a vu le trône. Il a vu aussi beaucoup d'autres autres trônes. Nous sommes les trônes. Laisse viens habiter dans notre cœur. Et quand tu viendras dans les trônes, si tu trouves le péché, l'incrédulité, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que le péché, la mondanité, l'adultère et la convoitise, le mensonge et la colère, toutes sortes de péchés, que cela soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que le trône de Dieu soit dans notre cœur. Là où il y a la mer de cristal, l'eau blanche, l'eau de la vie, là où il n'y a rien d'impur, là tout est clarté et lumière. Laisse-nous entrer dans la nouvelle ville. Laisse-nous entrer dans la nouvelle Jérusalem. Sois le tabernacle, Seigneur. Viens habiter dans notre cœur. Que nous soyons ton tabernacle. Nous croyons qu'il est tout notre cœur. Quand ce grand millénium viendra, quand le Seigneur Jésus, le fils de David, il s'assiera sur le trône de son père David, nous croyons que nous serons là. Madame Jésus-Christ, merci Seigneur, laisse que ton nom soit en nous, ta nature soit en nous, que ta vie soit en nous, que nous soyons fécondés par ta parole, que nous puissions porter des enfants dont le nom est Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, toi l'agneau de Dieu, toi la rose de Saron, toi l'hélice de la vallée, toi l'agneau de Dieu, toi le lion de la Juda, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Sois honoré et glorifié au milieu de ton peuple. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Je crois que tu l'as fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toute maladie soit guéri, Seigneur. Nous proclamons cela au nom de Jésus-Christ. Il a dit que je suis l'Éternel qui vous guérit.
Que la maladie ne résiste pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Que la gloire du trône puisse accompagner chacun de nous. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Nous t'aimons de tout notre cœur. Est-ce que vous l'aimez? Vous l'aimez beaucoup? Merci Seigneur. Merci notre Père. Merci Seigneur. Va avec chacun de nous. Bénis-nous dans nos cœurs. Merci Jésus. Merci notre amour. Merci toi notre joie. Merci toi notre victoire. Merci toi notre gloire. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur.